nu. Entretien d'hier et d'aujourd'hui. Aujourd'hui, Nathalie Sarraute s'entretient avec Daniel Salnave. Premier entretien. Vous en avez parlé quand vous êtes revenu. Vous êtes retourné récemment dans votre ville natale de Ivanovo. C'était oui. important d'y retourner pour vous ? Je n'avais pas gardé beaucoup de souvenirs. Je me souvenais surtout de certaines pièces de la maison, mais pas du tout de la maison elle-même. J'avais imaginé une maison en bois, elle est en pierre, et je n'ai pas reconnu quoi que ce soit, parce que j'ai quitté quand j'avais 2 ans, et puis après je revenais un mois par an, jusque vers l'âge de 6-7 ans. Alors je n'ai pas de souvenirs très précis, aucun même de la ville, ni des maisons, ni de rien du tout. Mais enfin, évidemment, c'était émouvant de revenir. Et de retrouver la maison qui n'a pas bougé depuis que je suis née là-bas. Et qu'est-elle devenue cette maison ? Elle a été divisée en appartements ? C'est-à-dire qu'à un moment donné, elle était devenue une pinacothèque. Et puis maintenant, elle sert à des appartements communautaires. Et alors on nous a dit que ce n'était pas la peine de monter parce que ça coulait du toit. Enfin, on a vu 2 locataires de la maison qui n'étaient pas contents du tout. Et quand vous êtes arrivé, les gens sont venus vous voir, les locataires de la maison ? Non, c'est 2 femmes qui descendaient. Alors j'étais avec des écrivains qui m'accompagnaient, qui ont dit, moi, cette personne est née dans cette maison. Alors, est-ce qu'on peut monter, regarder la maison ? Ils ont dit, c'est pas la peine. C'est très délabré. Nous habitons dans une pièce où ça coule du plafond. C'était une grande maison avec un parc, un jardin ou bien... Il y avait un petit jardin, mais c'était une grande maison, oui. Il m'avait, quand Enfance a paru, a été traduit en russe, ils ont fait une enquête et m'ont envoyé le journal du pays avec une grande enquête, avec la photo de la maison, et puis ils ont parlé de mon père et tout ce qu'il a fait là-bas, parce qu'il était industriel et chimiste, et il avait trouvé un procédé pour que les tissus ne déteignent pas la lumière. Du reste, il a continué quand il est venu en France. En France, il a repris ça, plus petit. Alors, ils avaient fait toute une enquête, ils savaient combien ils payaient de loyer, d'impôts, etc. Ils avaient retrouvé tous les documents de la fin du siècle dernier. Vous parlez d'Enfance, d'un jaune de chrome sur lequel il vous consulte pour son éclat. Oui, c'est ça, parce que justement, il fabriquait c'est comme une sorte de grand laboratoire, dans lequel ils fabriquaient des produits chimiques qu'ils vendaient aux industriels pour faire leurs couleurs. C'était donc un industriel, un homme de la modernité, de la technique, mais c'était aussi quelqu'un qui lisait beaucoup. Mais c'est quelqu'un, il avait fait un doctorat de sciences à Genève, et il était très cultivé, ami avec quelques écrivains quand il allait à Moscou. Enfin, ma mère l'a quitté, elle est partie à Paris avec moi, et l'homme qu'elle a épousé... Après, elle est retournée en Russie et m'a amenée laissée à Paris à mon père qui, lui, pour des raisons politiques, avait dû émigrer en 1907. Donc vous... C'est un chassé croisé comme ça. Il vous lisait des choses quand vous étiez enfant ? Vous disiez de lire ? Il vous a tout de suite mise dans sa bibliothèque ? Non, ça je ne crois pas, mais enfin, je lisais beaucoup moi-même. J'aimais beaucoup lire, alors. Je n'avais pas besoin de beaucoup d'encouragement pour ça. Vous avez lu très tôt, dans quelle langue ? En français, parce que je suis venue à 2 ans ici, et ma première langue était le français. J'avais une bonne française, et puis ma mère adorait parler français, parlait sans aucun accent. Elle avait fait aussi ses études à Genève. Elle avait rencontré mon père, d'ailleurs. Et puis je suis allée à l'école maternelle. À 3 ans, j'allais à l'école maternelle de la rue des Feuillantines. Alors je lisais, je me rappelle avec ferveur, en tout cas, la bibliothèque rose... Les livres de Madame de Ségur, etc. Donc vous avez commencé par lire du français. Et vous avez lu du russe aussitôt ? Je ne me rappelle pas. Vous n'avez pas. Donc c'est le français tout de même. Certainement. On a dû me lire du russe aussi, probablement. Je n'ai aucun souvenir. Et vous aviez appris les deux en même... En fait, vous avez parlé les 2 langues en même temps ? Oui, mais je voyais, j'ai un très léger accent français en russe. Et vous n'avez pas d'accent russe en français ? Je n'ai pas d'accent en français, vous voyez.
Et vous avez eu l'impression que vous aviez une langue qui était une langue maternelle ou pas? Ou c'est les deux? Enfin, je n'ai appris à compter, à lire, à écrire d'abord, et même à parler en français. Je n'avais pas de problème de langue étrangère. Et l'anglais est venu très vite aussi? L'anglais est venu... L'allemand est venu quand j'avais 5 ans, et puis après l'anglais, j'avais devais avoir entre 10-11 ans par là. Quand vous étiez tout enfant en France, en dehors de la séparation d'avec votre mère, qui au début était douloureuse, comme vous l'avez rapporté, avec beaucoup de pudeur et de distance, mais tout de même c'est très présent dans l'enfance, vous aviez l'impression que la Russie, Ivanovo et peut-être aussi Pétersbourg, puisque vous y êtes, vous manquait ou non? Que c'était votre pays qui vous manquait ou... Non, pas du tout. Avant, pas du tout. J'avais suivi ma mère, on habitait rue Flatter, j'adorais ça. J'aimais énormément le Luxembourg, j'étais très contente. Mais quand je suis revenue avec elle à Saint-Pétersbourg, mais je venais de passer un mois par an avec mon père, soit en Suisse, soit en France à ce moment-là. Mais quitter Saint-Pétersbourg, c'est en même temps quitter ma mère. Alors le deuxième, le retour ici a été difficile. Et de Pétersbourg, vous avez gardé des images de ce moment-là? Quelques images, oui. Lesquelles, par exemple, l'appartement? Du gel, de la neige. Enfin, oui, il était où, l'appartement, à Pétersbourg? Je l'ai retrouvé quand je suis retournée à Saint-Pétersbourg. J'ai retrouvé le quartier et la maison. La maison a changé de nom, mais enfin, on me l'a montré. Je suis même montée à l'appartement où nous étions. Dans quel quartier de la ville était-il? Entre 6 ans et 8 ans. Bolshaya Gribetskaya, ça s'appelait. C'est-à-dire la... Petersburgskaya Strana, voilà, ça s'appelait. Sur un canal? Non. Je ne pourrais pas vous le situer sur la carte. Je me rappelle que je me promenais avec une bonne dans l'avenue qui bordait notre rue, et puis je me promenais dans un petit parc qui était là. Vassilievski Ostrov, ça s'appelait. Ah oui, l'île de... Oui. Voilà. Ah oui, l'île de... Oui, Vassilievski Ostrov, oui. Oui, c'est ça. Vous êtes retournée après Alors là, j'y suis retournée en 60, je crois. Et là, j'ai retrouvé l'appartement. Mais tout de même, au-dessus du divan, dans la pièce où nous sommes pour l'instant, il y a une C'est des cadeaux. Cadeaux que m'a fait un merveilleux collectionneur, Ivanov. Ce sont des vues françaises, figurez-vous. Fin 18e, début 19e, là aussi. C'est des vues françaises de Moscou, du Kremlin. Du Kremlin. Il m'en a fait cadeau. Extrêmement belle, avec un ciel très... Oui, c'était superbe, c'est très nuageux. Française. Et des proportions qui sont un peu oniriques, qui ne sont pas très justes, mais c'est très beau, ça. Oui, hein, très il y a beau. plus d'espace qu'il n'y en a, et c'est très beau. Dans cette période où donc vous n'êtes pas retourné, est-ce que ce qui se passait dans ce pays, les événements successifs, sans parler des événements récents, vous concernait particulièrement ou non? Particulièrement non, mais enfin, je suis retournée avec ma belle-mère, juste après l'assassinat de Kirov, au début de la Grande Terreur. Nous sommes restés là-bas 10 jours, on est partis comme ça, au moment du 1er mai, comme une touriste, et nous étions horrifiés. Et je ne suis plus jamais retournée là-bas jusqu'en 1956, tellement j'étais horrifiée par ce qui se passait. Et par la terreur, les arrestations, etc. Et là, c'était vos amis, vous avez revu des amis, des C'est-à-dire parents C'est-à-dire c'était des... surtout la famille de ma belle-mère et puis mes cousines. Les filles de mon oncle. Et cette atmosphère de terreur, elle était sensible partout, dans les familles, dans les... Épouvantable. C'était en 36 ? En 36. 36, 37. Oui, 36, 37. Et ce qui s'est passé depuis 5 ou 6 ans, vous sentez concerné par cela ou pas ? Comment ne pas l'être ? En quoi voulez-vous que je sois vraiment concerné maintenant ? Parce que c'est votre pays, le pays de vos parents ? Ça ne suffit pas que ce soit le pays des parents... et qui eux-mêmes étaient émigrés depuis très très longtemps. Mon père est parti en 1907, vous vous rendez compte. Et pour des raisons politiques, vous disiez? Oui, à cause de mon oncle qui était engagé dans toute une histoire. Tout de même, je crois, un jour nous avons parlé de la littérature russe, et il est apparu très tôt que vous aviez avec cette littérature un lien profond. Je pense que... ce que vous écrivez, ou ce que vous disiez dans l'air du soupçon, était nourri, par exemple, de la lecture de Dostoïevski, une lecture sûrement vraiment intérieure, qui n'était pas le cas de beaucoup de Français ou de... Oui, c'est possible, c'est sûr. Vous continuez à lire de la littérature russe? Oh, je lis de tout, vous savez, tout ce qui tombe sous la main, je n'ai malheureusement pas beaucoup de temps de lire. Un jour, vous m'avez dit beaucoup de bien de l'œuvre de Turgenev. Oui, que j'ai découverte récemment, parce qu'on en parlait toujours avec dédain.
le Tourguenieff comme écrivain. Et puis récemment, j'ai découvert les souvenirs d'un chasseur. Je trouvais ça très, très bon. Ça m'avait rassuré quand vous m'aviez dit le bien que vous en pensiez, parce que moi aussi, j'étais étonnée qu'on le considère toujours comme un écrivain du deuxième rang. Tout à fait. Et là, j'étais étonnée. Alors, j'ai lu ses autres livres, les Pères et les Fils. Ça, c'est magnifique. Voilà, oui. C'est très, très beau. Superbe. Moi, je le lis malheureusement en traduction, mais comme langue aussi, c'est un grand superbe. Écrivain. Je trouve aussi ce que j'ai trouvé. C'est une prose très classique ou très... Oh oui, c'est toujours très classique. Très classique, bien sûr. Mais très belle, très travaillée, très évocatrice. C'est intéressant aussi pour nous d'entendre que vous aimez ces grands écrivains du siècle passé, comme Tourguenieff ou Lermontov aussi. Oui, aussi. Et la poésie ? J'aime mieux Pouchkine que Lermontov. Enfin, je lis aussi de la poésie, enfin, c'est pas... Est-ce que vous aimez la poésie en général ou plutôt la poésie russe ? Ou est-ce que la poésie, c'est un genre... Non, pas plutôt la poésie russe. J'aime bien la poésie, mais enfin, j'ai quelques auteurs que j'aime. Et généralement, je lis ce qui m'intéresse au point de vue littéraire au moment où je travaille. C'est surtout ça. C'est pas une question de qualité même, c'est très difficile. Mais enfin, comme ça, je feuillette et je regarde, ça m'intéresse, les recherches des autres. Donc, plutôt sur le plan de la langue ou bien des... Sur le plan de la forme, mais oui, et du fond. Et vous trouvez parfois dans la poésie, dans certains textes poétiques, un accord avec ce que vous-même vous êtes en train de chercher? Non. Mais dans la prose, oui. Non, même pas dans la prose, non. J'ai l'impression d'être enfermé. Je crois que chaque écrivain est enfermé dans son univers à lui. Et que les autres, enfin, ils regardent pour voir ce qu'ils font, quoi. Mais pas pour y trouver un accord, une harmonie, au contraire même. Oui. Je crois qu'on est très seul. Même parfois dérangé par d'autres rythmes et d'autres... Tout à fait. Quelquefois, on n'a pas envie de lire, même quelque chose d'excellent, mais qui vous ennuie, qui vous dérange à ce moment-là. Enfin, ça dérange quoi ? Là, on est plongé dans une chose dont on n'a pas envie de s'arracher. On imagine bien à vous lire qu'il y a un effet d'approfondissement et d'enfermement, puisque vous êtes à la recherche de ces choses qu'il faut trouver, qui sont ténues et qui échappent. C'est très difficile de les saisir, de les mettre en forme, etc. Ça me donne énormément de mal. Ça m'en a toujours donné beaucoup. Alors ça m'absorbe beaucoup. Je ne suis pas une très bonne lectrice. Dans les périodes où... un très où... bon juge, d'ailleurs, je crois. Je suis trop prise par mes propres obsessions. Oui, quand vous dites, parce que ce sont des choses difficiles à saisir, qui échappent, et vous les saisissez en multipliant les versions successives d'une même... Non, en cherchant à rendre certaines sensations. Oui, alors, mais pour... Oui, avec des métaphores, d'autres images, voilà, le cerner le plus près possible. Mais quand, pour les cerner, vous reprenez, vous réécrivez la page déjà faite ou un ensemble ? Oui, je ne réécris pas entièrement généralement, mais aussi quelquefois. Mais enfin, je corrige quelquefois beaucoup, quelquefois très peu, ça dépend comment ça vient. Et quand vous corrigez, quelqu'un tape des versions intermédiaires pour vous ? Quelquefois, oui. Et vous les recorrigez aussitôt ? Mais je corrige plutôt sur mon propre texte que je réécris à la main. Que vous réécrivez à la main ? J'aime mieux ça. Et ça, vous pouvez le il faire. Il m'arrive de corriger sur une version tapée, mais plutôt sur ce que le texte s'écrit à la main. Je me souviens, je vous en ai parlé l'autre jour, ou bien aujourd'hui, je ne sais plus, d'une émission où vous aviez été pour la télévision, vous aviez été filmé, et on montrait un moment une chemise épaisse de feuillets. Oui. Ah, ça devait être un texte. Et c'était une page, et la réécriture on avait peut-être, je sais pas de versions extrêmement nombreuses. Parce que ça m'avait donné un mal. Je m'en souviens parce que j'avais écrit ça. On était à Ibiza et c'était un passage du planétarium. C'est un passage du planétarium. Je m'en souviendrai parce que ça m'a gâché ces vacances à Ibiza. C'était un passage assez long. C'était Madame Germaine Lemaire, était notre Madame Tussaud. Oui. C'est affolant le nombre de versions qu'il y avait. Là, vous aviez l'impression qu'il y avait... Avant de trouver le rythme. Ah, le rythme. C'est ça. Oui. Donc deux choses, à la fois cerner les choses les plus... Le rythme, des métaphores pour rendre... cette sensation qui n'est pas définissable. Oui, parce que ce qui est difficile dans l'entreprise que vous menez, c'est que vous nommez des choses qui n'ont pas encore de nom. Voilà pourquoi c'est si difficile. Ça n'a pas de nom, alors il faut le cerner.
par des images pour rendre au lecteur, transmettre au lecteur une certaine sensation dont on ne sait pas ce qu'elle est. Vous faites apparaître des choses qui n'étaient pas apparues. Alors, bien entendu, vous avez... C'est ça qui est difficile pour moi. Donc, vous faites exister des choses. Elles existent, mais vous les faites apparaître en les nommant. Alors, en travaillant, je me demande toujours est-ce que c'est apparu ou non. Mais je reviens un peu en arrière sur cette question des lectures, parce que je crois qu'un écrivain se forme au carrefour des langues et des lectures qu'il fait et des expériences qu'il a. Est-ce que... Je ne sais pas. Non ? Enfin, je veux dire, par exemple, j'aimais beaucoup l'Édouard de Français. C'était ma passion. Mais j'étais toujours en train d'imiter un auteur. Très contente. Quand j'imitais à l'époque, c'était Loti ou Boileau. Ah, c'est très bien, Boileau. Voilà. Ben, moi, je trouvais admirable. Moi parce aussi. Que ça ressemblait, comme, à mon avis, c'était comme Boileau. Après, quand j'ai découvert Balzac, c'était du Balzac. Je trouvais que c'était aussi bien que Balzac. Enfin, c'était toujours d'imitation. Et ça me remplissait de satisfaction parce que ça ressemblait à quelque chose qui était bien. Mais c'était une copie, une mauvaise copie d'enfant, évidemment. J'ai pas lu, mais ça doit être terrible. Vous en avez gardé ? Non. Je les ai perdus, je sais pas où ils sont. Mais vous dites, oui, vous dites les choses là avec beaucoup c'était de... C'était ultra classique, en tout cas. D'humour et de modestie, mais l'imitation, c'est un moyen de se former absolument essentiel pour les peintres. Sûrement pour les... que pour un enfant, il le faut, probablement. Alors, vous lisiez Boileau, vous aviez quoi, 8, 10 ans ? J'avais 10 ans, probablement. 10 ans. André Thuriet. Oui, moi aussi, Boileau, j'ai lu ça, oui. On adorait ça. Lequel, le Boileau, l'enfant à la balustrade ? Oh, je ne me rappelle plus. Oui. Et puis, il y a Pierre Loti, puis après, il y a eu Anatole France. Non, je ne me rappelle même plus les auteurs. Quand vous dites que vous... imitiez, ça veut dire les sujets ou la manière d'écrire tout de même, peut-être, surtout la manière la d'écrire, manière la phrase. D'écrire, uniquement la manière d'écrire. J'appliquais ça au sujet que le professeur, la maîtresse d'école avait donné. Bon, mais allez. Ma vraie passion, dont je ne me servais pas dans mes devoirs, c'était Fantôma et Ponson du Terrain, et ça, c'était la grande passion. Pourtant, il vous avait fait très peur. Il me faisait très peur, mais j'adorais ça. Pierre Loti aussi. Pierre Loti aussi, mais enfin, pas, ça ne se compare pas à la passion absolument dévorante que j'avais pour Ponson du Terrain. C'était une période, un passage, oh, Pierre Loti, c'était c'est fou. Je vivais vraiment là-dedans. Après, il y a eu Eugène Sue aussi. Ah, puis il y avait Hector Malot, Sans famille. J'ai versé des larmes, là, vraiment. Et puis après, il y a eu tous les Dumas. C'était une passion. On ne peut pas m'arracher à la reine Margot. En fait. Ce passage par les phrases, finalement, peut-être que ce qui est bien, c'est qu'on passe par les phrases des autres avant de chercher si on a une phrase sûrement, à soi. Sûrement. Peut-être que c'est un peu perdu maintenant dans les apprentissages à l'école, etc. C'est peut-être dommage, ça. Enfin, on était obligé, après, à Fénelon et puis à la Sorbonne, d'écrire dans le style classique imité du 18e. Au lycée, vous étiez au lycée Fénelon ? J'étais 7 ans au lycée Fénelon. D'abord, à l'école maternelle de la rue des Feuillantines, qui est devenue un collège technique, je crois. Et puis à l'école communale de la rue d'Adésia, je passais mon certificat d'études. Et puis jusqu'au bac, j'étais au lycée Fénelon. Bon, j'avais un souvenir assez pénible à l'époque. Moi aussi, j'étais élève au lycée Fénelon. C'était assez sinistre. Sinistre. Oui, c'est vrai. Les grandes fenêtres grillagées. J'imaginais ce que ça pouvait être un peu avant, oui. À cette époque-là. Je suis entré là-bas en 1912. Vous étiez dans une section classique ? J'étais en sciences langue d'abord, après... Non, en latin-langue après. Mon père voulait que je fasse des sciences, mais j'étais vraiment, je n'aimais pas ça, j'étais trop nul. Alors après, je suis passé en latin-langue. Vous avez fait du latin, du grec ? J'adorais le latin, mais je n'ai pas fait le grec. Mais le latin, vous l'adoriez ? Oh, j'adorais le latin. C'est une véritable passion. Qu'est-ce que vous aimiez bien dans le livre ? J'aimais la traduction. Traduire du petit livre, par exemple, et quand ça retombait sur ses pieds, que je gardais la même cadence, enfin, et que j'avais deviné ce que ça voulait dire, à l'aide du dictionnaire. Alors, c'était une joie énorme. Oui, j'ai éprouvé cette joie-là aussi en faisant du latin. N'est-ce pas ? Ça donne une satisfaction. On ne se sentait pas menacé, on n'était pas en danger, on était sûr qu'on y arriverait. Oui. Et quand on y arrivait, il y avait un moment de satisfaction immense. Je n'ai pas fait de grec.
C'était le monde latin aussi, les auteurs. Aussi, la pensée. La pensée. Latine, oui. Claire. C'est curieux parce qu'au fond, c'est un monde qui était mort et c'était surtout les enfants qui étaient en rapport ça avec ce monde-là. Ça avait quelque chose de très équilibrant. Oui. Comme la géométrie plane aussi. Oui. Ou la chimie organique. Inorganique plutôt. Et en même temps, vous appreniez l'allemand. Oh ben, au lycée. J'étais en classe au lycée, oui. J'apprenais l'allemand. C'est-à-dire des langues rigoureuses avec des déclinaisons. Oui, oui. C'est ça qui a formé en vous quelqu'un qui est une logicienne très, très oui. exigeante, oui. Ah oui, je ne me rends pas compte. Oui, on le sent, le lecteur le sent. Ah oui. Vous appliquez cette logique à des objets qui sont, comme on disait tout à l'heure, ténus, parfois presque invisibles, mais avec une logique assez scientifique finalement. Ah bon, ça me fait plaisir parce que souvent j'ai l'impression d'y vaguer, de railler complètement. Ah non, pas du tout, vous êtes très logique. Ah bon. Donc cette disposition pour les sciences que votre père vous souhaitait, oui. Bah, vous l'avez trouvée dans le latin, dans la logique de la phrase. Mais quand vous parlez de l'école primaire d'enfance, vous en parlez avec beaucoup de chaleur et même ah de oui. tendresse. Ah oui. Nous avions à l'époque des maîtresses d'école qui étaient remarquables, merveilleuses. C'était une vraie vocation, une gentillesse à l'égard des élèves, une compréhension que j'ai trouvée là-bas qui était tout à fait extraordinaire. C'est un lieu, au fond, qui est. Oui, moi, je c'était pense, l'école laïque vous. Française, oui. L'école communale d'avant la guerre de 14. Je crois que c'est vraiment unique. Je pense qu'elle a subsisté quelque temps et que maintenant, elle n'est plus tout à fait sur le même modèle. Mais oui, on l'a même beaucoup critiquée par la suite, comme un lieu trop abstrait, trop loin de la vie. Oui. Et ça, vous ne pensez pas, ça ? Moi, ce n'était pas du tout ça. Oui. Une impression de bienveillance, de justice. De justice. Voilà. Alors, la justice du maître et puis enfin, voilà, la maîtresse. Quand on travaillait bien, mais oui. On avait des résultats. Et puis après, la même justice dans la phrase latine. Exactement. Mais c'est le même univers. Après, j'avais cette oui. chance à Fénelon. Il n'y avait pas de professeur de latin à l'époque. Il y avait très peu de filles qui se présentaient au bachot. Alors, nous avions deux professeurs. C'était M. Georgin, qui venait, je crois, d'Henri IV. Ah oui, célèbre M. Georgin. Voilà, c'était lui. Alors, je travaillais énormément. Et j'aimais beaucoup plaire, que mes devoirs plaisent à M. Georgin. Et puis nous avions, venant de, je crois, Louis-le-Grand au Saint-Louis, M. Bétou, pour le français. Pour qui aussi, c'était une grosse différence avec les professeurs que nous avions avant, qui étaient formés à Sèvres, qui étaient tout à fait une autre façon d'enseigner. Donc finalement, lorsque récemment à Oxford, on a prononcé en latin... Oh là, discours, je suis loin. Présenter. À... Oui, parce que ça ressemblait tellement à la cérémonie d'anglais comme c'était lu. Mais vous l'avez ce discours en latin. Vous l'avez lu? Oui, je l'ai lu. Oui, oui. C'est du bon latin? Jamais difficile. Ils ont dit qu'il était très bon latiniste, le proctor qui a fait le texte. Et quel effet cela fait-il d'avoir son portrait en latin? Oh, mais ce n'était pas un portrait, alors il racontait ce que j'avais écrit à peu près. Vous étiez ensuite en section littéraire, latin, langue et philosophie. C'est ça. Jusqu'au bac. Oui, oui. Et de là, vous êtes parti en Angleterre? Non, là, après, j'ai fait une licence d'anglais. Et puis après, j'ai été un an à Oxford. Après, j'ai été à la faculté de droit. À ce moment-là, j'ai fait une licence de droit. Vous vous destiniez à... Oui, je pensais, j'aime beaucoup parler, convaincre. Là, j'aimais faire des conférences plus tard ou parler aux étudiants. Je n'avais pas du tout pensé qu'il y a tout le côté du droit civil que je n'aimerais pas. Alors, je me suis inscrite comme ça. Mon père ne voulait pas que je reste à Oxford. Alors, je suis revenue, je me suis inscrite au barreau. Et j'ai rencontré mon mari à la faculté de droit. C'est cela. C'était une période qui a été une période heureuse, ce séjour en Angleterre, vous le dites. Très, très à plusieurs reprises. Oui, c'était très heureux. Qu'est-ce qui vous convenait bien? Oh, tout me convenait, l'atmosphère, la beauté après la Sorbonne et Paris, la beauté d'Oxford même, à oui. l'époque surtout. J'ai revu maintenant, quand j'y suis retournée, j'ai revu ma chambre, et la pelouse, la rivière, je faisais du punting, j'étais même capitaine de punting. J'étais très fière de ça. D'abord demi-capitaine, et puis après capitaine, je donnais moi-même des leçons de punting aux autres. J'étais très, très... J'aimais beaucoup ça. J'ai revu tout ça.
Mais qui n'a pas changé. Ça n'a pas beaucoup changé. Ça n'a pas bougé, non. Sauf qu'à l'époque, les filles qui devaient obligatoirement, et les garçons, porter le cap and gown, ne pouvaient pas se parler dans la rue. Ah bon? Non. Il y avait les policiers qu'on appelait les bulldogs, et qui immédiatement vous arrêtaient. Enfin, ça faisait des histoires terribles. Et alors, j'ai rencontré dans le même uniforme de vieux policiers comme ça. Et le professeur qui m'accompagnait leur a dit, vous savez, elle était ici quand elle avait 20 ans. Et à ce moment-là, elle leur a raconté, eh bien, ils sont touchants. Il y en a un qui m'a prise dans ses bras et qui m'a embrassée. Oh, le policier, avec son chapeau melon comme il avait autrefois. Là, c'est grand changement de mœurs et d'époque. Oh, tout à fait. Là, on voit les étudiants en blue jeans se promener la main dans la main. Enfin, c'est impensable. Oui, impensable. Impensable. On ne voyait jamais les garçons. C'est tout à fait séparé. Et vous avez gardé des amitiés de cette époque-là Non, pas du tout. Mais cette idée de l'Angleterre, en tout cas de ce voilà, milieu-là. Oui. Comme une sorte d'oasis, une période heureuse comme ça. Et de la littérature anglaise aussi. Ben à l'époque, je préparais un BA, le Bachelor of Arts d'histoire. D'histoire. C'est ça. Et sur quelle période vous travailliez? Oh, je me rappelle que j'avais fait un long devoir en anglais qui m'avait aussi beaucoup satisfaite sur l'invasion, l'arrivée des Vikings. Donc vous pouviez en anglais, vous parliez, oui, vous écriviez comme en français. J'avais fait une licence d'anglais déjà. Oui, ah oui, c'est vrai, avant, bien sûr. Oui. C'est pour ça que je peux beaucoup mieux l'écrire que le russe, par exemple. Je n'ai jamais été à l'école et jamais rien appris. Je peux écrire une lettre enfantine. Oui, mais vous parlez parfaitement. Oui, et vous n'avez pas du tout... Certains de vos témoins et compagnons de votre voyage récent disent qu'ils étaient émerveillés par votre capacité intacte de parler le russe. De parler. Ben, on m'a dit la même chose en Angleterre et j'étais très contente. Là. C'est vrai? Oui, ça, là. Vous avez un plaisir à parler dans les langues... J'aime beaucoup ça. Vous aimez bien parler dans l'anglais. Beaucoup, oui. Mais vous avez le regret de ne pas avoir pris l'italien. Ça oui. C'est stupide, c'était facile. C'était trop facile. Je me disais que j'avais la tête encombrée déjà par 3 langues. Alors, 4 langues même, si on pense à l'allemand. Oui, plus le latin, qui toute langue morte qu'elle est, c'était une même langue alors, aussi. Toujours, je reculais. Je commençais à apprendre l'italien plusieurs fois, puis je me suis arrêtée chaque fois. Oui, c'était trop facile finalement. C'était trop à la portée. Il aurait fallu le faire, mais enfin. À voix nue, entretien d'hier et d'aujourd'hui. Nathalie Sarraute s'entretenait avec Daniel Salnave. Réalisation Daniel Fineau. Demain, 2e entretien. Entretien d'hier et d'aujourd'hui. Aujourd'hui, Nathalie Sarraute s'entretient avec Daniel Salnave. 2e entretien. On sait que les écrivains français, très souvent, ne parlent, ne lisent, ne comprennent pas beaucoup de langues en dehors de la leur. La France était très fermée sur elle-même pendant très longtemps. Peut-être les choses vont changer. Et vous êtes, à cause de cela, un écrivain français tout à fait particulier à cause de cette rencontre des langues. Regardez Beckett, regardez Ionesco. C'est vrai. Regardez Nabokov même. Enfin, il n'est pas écrivain français. Mais enfin, tous les écrivains russes, à peu près sans exception, parlaient couramment 2-3 langues. Tolstoï parlait, je crois, le français, l'anglais et l'allemand, couramment. Tous. Même Dostoïevski connaissait admirablement bien le français, je crois, l'allemand. Ici même, Montaigne, je crois, parlait couramment l'italien, et encore je ne sais plus quelle langue. Alors je ne crois pas que le fait de connaître plusieurs langues change, parce que quand on est dans une langue, quand j'écris, il ne me vient, pour ainsi dire,
sauf dans le portrait d'un inconnu, je ne sais pas pourquoi j'ai mis deux expressions anglaises qui m'étaient oui. Mais jamais je ne sors du système, sinon. Il ne me vient jamais à l'idée, tiens, on pourrait dire ça mieux dans telle langue. Je suis comme enfermée dans un certain système d'où je ne bouge pas. Alors ça ne me dérange pas. Ce qui est frappant, c'est cette rigueur de la langue que vous employez. Quand vous dites « je suis à l'intérieur du système d'une langue », on le sent parfaitement. C'est une langue qui n'est pas une langue de caractère ou psychologique ou colorée par des traits sociaux ou individuels. Elle a quelque chose de très pur. Je ne m'en rends pas compte. De très pur. Oui, très pur, je veux dire par là, c'est un instrument très, très précis. Mais elle est proche quand même, je crois, de la langue parlée. L'avantage, il me semble, je ne sais pas. Parce que je l'entends en écrivant. Je dirais de la langue entendue, c'est vrai. Quand j'écris, je ne vois pas tellement ce qui est écrit, mais j'entends. J'entends chaque phrase. Mais quand vous dites la langue parlée, ça impliquerait des tournures, des façons de... Ah oui, oui. Donc c'est pas en ce sens que vous dites de langue parlée, oui. Mais de langue dite tout haut. Oui, peut-être, oui, c'est ça. Oui, oui. Prononcée. De langue prononcée plutôt. Oui, c'est pour ça que je disais que c'était un instrument très rigoureux. Elle dégage des rapports. Vous avez un recours à la syntaxe ou très détaillé qui cerne les objets. Il y a une telle part chez moi d'inconscient que ça m'est très difficile de juger. D'instinct, je veux dire, tout à fait. Comme d'ailleurs tout ce que j'écris, je ne me dis pas d'avant, j'ai employé telle forme, elle vient. Comme ça. Vous disiez que vous réécriviez beaucoup, que vous corrigiez vous-même en réécrivant des pages que vous corrigez. Vous m'avez dit une fois que la première page était une chose très importante, oui, pour vous. Et qui ne change pas. Je vois la plupart de mes livres, même je crois presque tous, ça commençait, il y avait un début et qui ne bouge pas. Mais comme un tremplin solide qui donne d'où je pars, voilà. Et c'est vraiment la première page écrite ? Généralement, une page ou deux écrites. Ce n'est pas une page qui devient la première page au bout de quelques temps. Non, jamais. C'est le point de départ, là. Même quand c'est des morceaux séparés après. C'est le point de départ. Tout est là. Oui. C'est très curieux. Même dans l'usage de la parole, où ce sont des morceaux séparés, eh ben, ça commençait par le premier. C'est dans l'ordre où c'était écrit. Je n'ai pas changé l'ordre des morceaux. Donc, le projet du livre et l'écriture de la première page, c'est un peu la même chose. Un peu, oui. Comme Valéry disait que le poème, c'est le premier vers. Après, disait-il, arrive toute la difficulté. Toute la difficulté arrive après. Oui, c'est ça. Après la première page. Oui. Alors, vous faites des plans, vous anticipez sur la suite ? Ben, je ne fais pas les plans, mais j'essaie de trouver de la substance. Alors, dans un cahier, je note ces mouvements intérieurs. Parce qu'il faut qu'ils se décomposent, ils grossissent, ils se déroulent. Alors, je note dans un cahier d'habitude. Et puis après, je commence à rédiger. Et ces notes dans un cahier, ça peut être à n'importe quel moment de la journée Non, c'est toujours le matin. Toujours le matin. Et dehors, de préférence. Oui, dehors, généralement. Ou même toujours. Toujours. Oui. Vous avez toujours travaillé dans café. Depuis la guerre, en tout cas. Vous avez expliqué une fois que c'était pour des raisons aussi tout à fait familiales. Tout à fait. Et ça ne vous gênait pas, le bruit autour ? Du tout. À la maison, le moindre bruit me dérange, là-bas, rien. Oui, parce je que n'entends vous... rien, absolument rien. Oui, vous fuyiez le bruit domestique, mais vous aviez le bruit des percolateurs, des conversations. Ah non, les percolateurs, je ne les entendais pas. Je ne pourrais pas travailler là où il y a un jukebox, par exemple. Ah bon ? Ah non, ça c'est impossible. Mais les conversations, tant qu'on veut, elles ne me concernent en rien, je n'écoute rien. Et à partir du moment où on était habitué, en plus, à vous voir à votre table, à ne pas vous déranger. Les gens sont habitués. Oui. Depuis le temps. Mais est-ce, par exemple, l'après-midi, vous arrêtez? J'y pense, mais enfin, l'après-midi, je fais autre chose. Vous y pensez? Ça veut dire que vous prenez des notes si les choses non, viennent? Non, je n'ai pas besoin de même de prendre de notes ou quelquefois sur une feuille. Mais enfin, j'y pense beaucoup quand même. Donc, vous travaillez aussi beaucoup intérieurement? Je crois, oui. Et cette régularité du matin, elle m'est nécessaire, tout à fait. Vous ne vous forcez pas ? Oh non, c'est insupportable de ne pas le faire. Tôt ? Non, avant c'était plus tôt, maintenant j'y vais plus tard. J'arrive à 10h, avant j'arrivais à 9h30. Et puis je partais à midi, et maintenant je pars
Je reste de 10h, je commence à 10h15 par là, et je reste jusqu'à midi. Toujours. Et si vous n'aviez pas ces heures, elles vous manqueraient? Ah, ce serait très, très pénible. Alors en voyage, comment vous faites? Moi, je travaille jamais en voyage. Jamais. Donc vous êtes contente de rentrer pour retrouver la régularité? Je travaillais l'été toujours avant. Mais depuis quelques années, je ne travaille plus l'été. Alors avant, nous allions dans des îles grecques. Alors le matin, je travaillais. Chez vous? Oui. Voilà, à campagne, à Florence, je travaillais toujours aussi. Alors là, avant, j'allais dans un café, dans une petite ville à côté, à Vétheuil, et puis ils ont installé un jukebox. J'ai cessé d'y aller, alors j'ai arrangé une petite étable qu'il y avait dans cette petite fermette que j'ai, et alors là, je travaille là. On n'entend pas le téléphone, on était très bien. Et quand vos enfants étaient petits, personne ne venait vous déranger à ce moment-là? Ben non, j'ai commencé à écrire déjà en 32, et les enfants allaient en classe déjà. Oui. Enfin, allaient à l'école. Jardin d'enfants. Et puis 2 heures par jour, on peut toujours les trouver, je crois. Vous avez écrit tout, toujours à ce rythme de 2 heures par jour? Deux heures et demie. Moi, au bout d'une heure et demie, 2 heures, j'en ai toujours assez. Je suis fatiguée. Parce que vous décrivez ces mouvements d'investigation. Je ne peux pas comprendre enfin, comment on peut travailler 6 heures par jour à écrire. Enfin, c'est un fait. Mais ce que je fais, je ne peux pas continuer tellement longtemps. Il y a un signal qui vous avertit que là... Une fatigue. Une lassitude, et puis j'en ai... Ça m'ennuie. Oui. Et le signe qu'un livre est terminé, c'est quoi? Oh ben, quand je n'ai plus rien, j'ai l'impression que là, j'en ai assez, je suis au bout, je n'ai plus rien à dire, ça suffit comme ça. Vous avez dévidé là... À peu près. Quelque chose. Vous avez parfois travaillé sur plusieurs textes non, en jamais, même temps? Jamais. Jamais du tout? Jamais. Ça, c'est impossible. S'il y aurait une contradiction entre eux? Non, je ne peux pas. Je suis plongée dans quelque chose. Je ne peux pas en sortir. Avant que vous publiiez les premiers livres que vous avez publiés, est-ce que ce rapport que vous aviez avec les livres de lecture, qui étaient très anciens, puisque tout enfant, toute petite, vous aviez lu beaucoup, vous avez l'impression que c'était lié, qu'un jour ou l'autre, ça allait se transformer en activité d'écriture ou pas du tout? Je pensais, j'aurais été très contente d'écrire, mais... Je n'avais rien à dire comme ça, rien. Je ne pouvais pas entrer dans les formes du roman. Il me paraissait que ce n'était plus possible. Et alors je n'avais rien, je ne trouvais rien. Je ne cherchais même pas. Et puis c'est venu comme ça brusquement. Je n'ai pas écrit de texte qui ne soit publié. Tous mes textes qui ont été écrits sont les premiers textes publiés dans Tropisme. Au fur et à mesure que vous avez... Voilà. C'est ça. J'ai mis très longtemps à les écrire d'ailleurs. Pourtant, vous dites, j'aurais bien aimé écrire, mais au fond, je n'avais rien à dire. Ça, exactement, c'est, je c'est n'avais très pas. Bien, oui. Les formes romanesques ne me convenaient pas, ça m'ennuyait, si vous voulez. Alors là, j'ai écrit, j'ai fait d'une impression très forte, comme ça, un texte qui se tenait tout seul. Et puis je me suis dit, ce serait intéressant de retrouver des mouvements comme ça. C'était en somme comme des poèmes en prose, si on veut. Enfin... Des petits textes brefs comme ça. À l'époque, je n'imaginais pas qu'on pouvait écrire un roman. Mais ce qui vous préoccupait, c'était certaines observations qui n'étaient pas forcément destinées au départ à faire un livre, mais qui étaient liées à la... Des sensations. Aux sensations. C'est ça. À des sensations, j'allais dire, à des sensations psychologiques, si je peux me permettre, par certains oui, côtés. Oui, intérieur, si vous voulez. Oui. Ça fait tellement peur, le mot psychologique. Et bien sûr, bien sûr. Mais enfin, c'est évidemment les mouvements de la vie intérieure. Vous nous avez aidé à savoir tous les inconvénients du mot psychologie, mais à savoir par quoi on pouvait le remplacer. Oui, je finissais par dire psychique, pour ne pas... Oui, dans vos années de formation, vous aviez, donc en dehors de la lecture de Dostoïevski, qui est sur ce plan très importante, est-ce que la lecture de Freud avait été importante pour vous? Du tout. J'ai toujours détesté ça depuis le début. Il faut continuer. Mais vous l'avez lu très tôt? Oh, je n'ai pas lu tôt non plus. Je le connaîtrais assez mal. Ce que j'en ai connaissais ne m'intéressait pas du tout. L'inconscient, ou je ne savais pas ce que c'est, il fallait qu'on m'apprenne. Il y avait une... Enfin, ça ne convient pas du tout à ce que j'ai envie de chercher ou de trouver du tout. Au contraire, ça m'empêcherait, je crois. Ça empêcherait parce que ça nomme les choses. Et ça définit des choses qui me paraissent très monotones, très simples, pas du tout évidentes. Un inconscient qui me paraît d'une pauvreté extraordinaire. Et puis moi, je ne le connais pas, cet inconscient.
Moi, ce que je décris, c'est aux limites de la conscience et n'importe qui peut le trouver. S'il y met assez de temps, on n'a pas besoin d'un psychanalyste pour le découvrir. On a besoin de l'écrire pour le découvrir. On ne pourrait peut-être pas le découvrir en se contentant d'y penser. Peut-être, oui. Si on ne l'a pas écrit, alors ça reste comme quelque chose de flou, une sensation vague. Ça prend corps, si je puis dire, en l'écrivant, bien sûr. Finalement, ce sont des découvertes qui sont voisines dans cette première moitié de notre siècle, qui vont depuis le monologue intérieur chez Joyce jusqu'à votre propre recherche. Je crois que là, ce qui m'a fait une très grande impression, c'est quand j'ai lu, je me rappelle, j'étais à Chamonix, c'était en 24, j'ai lu à la recherche du temps perdu, du côté chez Swann. J'étais bouleversée, absolument bouleversée par ça. Et puis, peu de temps après, j'ai lu Ulysse, et encore peu de temps après, j'ai lu Virginia Woolf. Et voilà des livres qui m'ont certainement beaucoup impressionné. Je ne crois pas que j'aurais pu écrire comme je l'ai fait après si je n'avais pas du tout lu ces écrivains-là. Bon, m'a arraché, si on veut, à la forme classique. Oui. Et puis ça confirmait peut-être aussi l'intuition que vous aviez qu'il y avait ces lignes à suivre, ces choses. C'est tout un monde qui s'ouvrait chaque fois. Oui, tout un monde. Oui. Et qui était un monde vraiment à faire apparaître. Qui tout à fait extraordinaire. Oui. Il me semblait qu'on ne pouvait plus qu'écrire comme avant eux. Et Kafka ? Oh non, Kafka, je ne l'ai connu que très très tard. En 1935, une amie m'avait donné ça à lire. J'avais commencé Tropisme en 1932. Et à l'époque, j'étais persuadée qu'il était impossible d'écrire, répondit Pierre Divane. Des idées très arrêtées là-dessus. J'ai ouvert, je crois que c'était le procès. Non, c'était, je crois, le château. J'ai vu, répondit. Je l'ai refermé, j'ai dit non, c'est trop décevant, ça ne m'intéresse pas. Après, vous avez changé. Ça, j'ai changé quand j'ai lu, mais c'était en 47, je crois, que j'ai lu le procès. Et qui m'a vraiment bouleversée. Là, vous pouviez passer par-dessus les obstacles. Oh, oui, tout à fait. Je répondis, je dis-t-il, etc. Oui. Quand on ne le sait pas, mais on n'a pas besoin de savoir tout cela pour vous lire. Quand on ne le sait pas, on pourrait penser que la lecture de Kafka allait dans le sens. Si je prends un récit comme La Métamorphose, par exemple. Eh bien, figurez-vous que ça m'avait un peu choqué quand je l'avais lu. C'est Sartre qui m'avait dit : vous n'avez pas lu Kafka. C'était en 45, en 46, quand je le rencontrais quelquefois. Quand il avait écrit cette préface. Et il m'avait dit, il disait La Métamorphose, et ça m'avait choqué. Je trouvais ça grossier, brutal, simple. Enfin, c'est après ça que j'ai lu le procès, et là, alors, j'étais complètement conquise. Et Sartre, vous avez dit de commencer par La Métamorphose. Il m'avait dit, lisez La Métamorphose. Et je lui avais dit, j'aime pas du tout ça. Il vous avait lu sans vous connaître à ce moment-là. Vous l'avez connu quand il a écrit la préface. Je l'avais rencontré, quand c'était sorti chez De Noël, il m'avait dit envoyez-le à Sartre. Il avait fait paraître quelques mois avant La Nausée. Il avait un grand succès. Il m'avait écrit un mot très gentil. Puis je l'ai rencontré sous l'Occupation quand il faisait ces petits groupes-là de résistance. Ils n'ont pas duré longtemps. Et puis après la Libération, j'étais assise au Café de Flore. Et puis il est venu me demander ce que je faisais. Je dis je suis en train d'écrire. Un roman cette fois-ci. Ah ben ça m'intéresse beaucoup, j'aimerais le lire, j'étais en train de le faire. Je le finissais. Alors je lui ai passé le manuscrit encore, il n'était même pas achevé. Alors il avait dit j'aimerais bien en prendre pour les temps modernes et puis écrire quelque chose dans les temps modernes. C'était très bien, il n'y avait que les temps modernes d'ailleurs à l'époque. Oui. Et puis après ça, impossible de le faire accepter ou que ce soit, il avait dit, il faut que je fasse une préface. Quel effet vous avez fait cette préface quand vous l'avez lu ? J'étais pas contente. Je trouvais qu'il fallait... Ça serait pas... Même avec la préface, il n'arrivait pas à trouver un éditeur. Gallimard l'avait refusé avec la préface, Poulain l'avait refusé. Et puis il l'a donné à Nagel, qu'il a gardé un an, il l'a refusé après. Et enfin, Robert Marin l'a pris. A détruit très rapidement, on a vendu très peu. Alors, il fallait une préface. À l'époque, Sartre avait une telle renommée. Mm-hmm. Même avec sa préface, on n'en voulait pas. Quels étaient les arguments de Poulain ? Vous les avez su ? Il avait dit... Sartre l'avait même invité à déjeuner pour essayer de lui faire dire, mais il n'a rien voulu dire. Il n'a rien voulu dire. Simplement, il n'y comprenait rien, c'est tout. Oui. C'était trop loin de ses préoccupations, oui.
Et les tropismes aussi, ils les avaient refusés. Oui, je crois qu'on ne mesure pas, c'est tout récent tout de même, après tout c'est l'année d'après la guerre, mais il y avait en effet une sorte de rigidité quand même des catégories. Très grande rigidité. Très grande rigidité. Oui, moi c'était très difficile. C'est Robert de Noël qui a accepté les tropismes juste avant la guerre. Et vous, avec cette tranquillité qui vous faisait dire « je ne lis pas Kafka parce qu'il y a trop de réponses, dit-il et dit-il », vous aviez raison, parce que ça vous permettait de faire, dans un sens, dans un premier temps, vous en étiez victime, puisque ce livre avait trouvé des difficultés à être publié, mais ça vous permettait de sortir de cette... Complètement. C'était ça, votre grand désir. Seul. Oui. Peut-être pas d'être seul, mais en tout cas de ne pas obéir à des conventions. Oui, c'est ça. Et vous sentiez seul quand même. Évidemment. Complètement. Ah, complètement. Et puis je ne connaissais personne dans les milieux littéraires. Oui, le milieu dans lequel vous viviez n'était pas un milieu d'écrivain et de littéraire. C'était... Mais vous aviez auprès de vous un grand soutien dans la personne de votre mari pour ce que vous écriviez. C'était un très très grand soutien. Très grand, ça je dois dire. Depuis le début et toujours. Et qui était lui-même un grand lecteur et qui, qui aimait les livres. Et... Qui se trompait rarement, je dois dire. Qui se trompait rarement. Que le temps se déroulait, je disais, mais ce serait ta seule erreur. Et il y a des livres qu'il vous a fait lire dans la littérature française ou étrangère, qui sont passés par lui, soit quand vous étiez tout jeune. Oui, mais... quand nous sommes rencontrés, je connaissais bien les classiques et lui connaissait bien les auteurs d'époque. Alors il m'en a fait lire. Il m'a fait lire Gide, il m'a fait lire Henri de Régnier, je m'appelle. Et maintenant, vous aimeriez encore lire Gide? Son journal, peut-être? J'ai le journal, là, il faudrait que je le regarde. Mais j'ai été toujours une admiratrice de Palude, et je le suis restée. Palude est resté pour moi quelque chose de... Vraiment une œuvre littéraire tout à fait remarquable. Mais moi, j'ai aussi souvent cette impression, quelquefois, quand je relis certains livres de Gide, je suis moins heureuse, et pourtant, il a une figure qui ne... dont la lumière ne s'atténue pas, il continue d'être... Il y avait quelque chose dans sa forme, tout de même. Oui, et la relecture du journal est toujours très, très impressionnante, J'avais très envie de le relire. Vous lisez volontiers des journaux, des correspondances? Oui, tout à fait. Ah oui, vous aimez beaucoup cela? J'aime beaucoup. Récemment, vous en avez lu des journaux? Qu'est-ce que j'ai lu récemment? Franchement, je ne m'en rappelle plus. Et des correspondances aussi? Ça m'échappe pour le moment. Si ça revient, on en parlera. Correspondance de Flaubert, vous l'aimez? Oui, c'était très intéressant. Je ne dirais pas que c'est sa meilleure œuvre, comme on le dit. Comme disait... Pas du tout. Non, c'est Gide lui-même qui l'avait dit, peut-être, je ne sais plus. Moi, une grande admiration pour Madame Bovary. Je ne peux pas comparer avec sa correspondance. Non. Cette impression de solitude que vous aviez, mais vous la ressentiez comme quelque chose de pénible ou comme nécessité dans la mesure... Comme nécessité, comme quelque chose de tout à fait naturel. C'est bien ça. Ça paraissait tout à fait normal. Et je pensais même qu'il n'y aurait aucun éditeur ne prendrait les tropismes. Nous en étions sûrs. Vous pensiez que l'état de la littérature et de l'édition le refusait. Même quelques amis avec qui j'en avais lu des passages disaient qu'ils n'y comprenaient absolument rien. Alors ça veut dire qu'un grand écrivain forge le goût de ses contemporains, parce qu'on ne pourrait pas imaginer maintenant quelqu'un qui dirait je ne comprends pas. Il y a quelque chose qui est arrivé maintenant dans la littérature française. Maintenant, on comprend tout, même ce qui n'est pas compris. Ça, je ne suis pas sûre. Mais s'agissant de vos livres, on ne peut pas imaginer quelqu'un qui dit « je ne comprends pas ». Donc, vous avez fait bouger les choses. Oh, mais je crois que ça a toujours été comme ça, que des auteurs qui étaient des auteurs qui paraissaient très difficiles sont devenus des auteurs pour enfants, presque. Vraiment. Non, mais on voit bien que Proust n'était pas lu avec beaucoup de facilité par ses contemporains. Claudel disait « je me prends la tête à deux mains, je ne comprends absolument rien ». Oui, c'est épouvantable. Et maintenant, n'importe qui peut lire Proust. Ça paraissait très difficile. C'est très curieux. Petit à petit, vous êtes aperçu que d'autres écrivains avaient le même désir d'écrire une littérature. Vraiment, non, vraiment, je ne connaissais pas. Vous ne connaissiez pas? Non. Alors donc, au fond, avant la célèbre photographie des éditions de Minuit qui fondent le nouveau roman, c'est l'air du soupçon. Mais quand de Noël avait pris les tropismes, il m'avait dit, je vais vous éditer dans la même collection où j'ai édité un auteur qui a écrit quelque chose d'épatant, c'est Chêne et Chien de Queneau. Et il m'a passé Chêne et Chien, que je dois encore avoir, que de Noël m'avait passé, dans la même édition tropisme. Et j'avais trouvé ça épatant. Ah, vous avez bien aimé. Oh, je connaissais par cœur encore le début. Vous le connaissez encore? Je suis née au Havre en 1903, je ne sais plus quel mois. Ma mère était mercière et mon père mercier. Ils trépignaient de joie. Ça commence.
Je trouvais ça merveilleux. Voilà encore quelqu'un qui écrivait des choses qui n'étaient pas du tout prévues dans la convention littéraire de l'époque. De Noël l'avait pris. Ah oui. C'est un merveilleux jeune éditeur. On lui doit beaucoup. Il a été assassiné sous l'occupation. Oui. Il avait publié Céline, d'ailleurs, qui avait été refusée aussi. Vous aviez aimé Céline quand... J'avais beaucoup aimé Le voyage au bout de la nuit. C'était en 37. Oh, bien avant. 31. 33. 33, je crois. Et vous aviez beaucoup aimé. Quand il avait raté le prix, c'était Les loups de Guy Maslin. Ah oui. Qui avait eu le Goncourt. Nous étions furieux. Et Beckett ? Alors, j'ai beaucoup aimé Godot quand je l'ai vu la première fois. Où il n'y avait personne dans la salle. Vous l'avez vu dans la mise en scène de Roger Blin en 1954 ? Voilà, la première fois. Et pendant au moins 3 semaines, il n'y avait rien. Moi, je riais, je trouvais ça épatant. Et c'était admirablement joué par ce clown, je crois, comment il s'appelait. J'avais trouvé ça très, très bien. Mais bon, très peu de temps après, ça a eu un grand succès. Mais en effet, au moment où il l'a créé, il le raconte plusieurs fois, Roger Blin le raconte, il n'a eu aucun... Oui, oui. On se disputait avec des amis, parce qu'ils nous reprochaient de trouver ça très bien. Mais après, très peu de temps après, ça a eu du succès. Roger Blin raconte qu'il a présenté cette pièce à Strasbourg, je crois, et qu'un ami à la sortie lui avait simplement dit « Et à part ça, comment tu vas ?» Ce qui était le signe que la chose ne prenait pas du tout. Comme ça, et puis ensuite... Ça. Donc vous avez commencé à connaître Beckett par Godot Uniquement, oui, par Godot. Alors, j'avais lu déjà Murphy, que j'avais aimé, j'avais trouvé très bon. Mais j'aimais beaucoup les premières pièces de Ionescu, par exemple. Ah, la oui. Cantatrice fauve, la leçon, la victime du devoir, tout ça, on allait à la Huchette pour le regarder. Mais ce que vous dites prouve que les regroupements qu'on fait d'écrivains, toujours pour créer des écoles, des mouvements, sont pas toujours justes. Par exemple, bien sûr, on vous associe aux écrivains dits du nouveau roman, mais il n'y a rien on pourrait vous associer à Queneau, Beckett, Ionesco, à cette période c'est de la littérature, tout aussi bien. Qu'il y avait une sorte de revendication commune que j'avais commencé dans l'ère du soupçon, qui les avait intéressés. Qui avait intéressé Robrier, mais ce que nous écrivions était complètement à l'opposé, si je puis dire. Là, du soupçon, vous l'aviez écrite parce que vous pensiez qu'il fallait mettre un peu... J'étais tellement seule que je finissais par me demander moi-même pourquoi je ne pouvais pas faire autrement. Donc c'était pour vous-même aussi, pour y voir plus clair. J'ai écrit pour moi-même. Le premier, c'était Dostoïevski à Kafka, parce qu'il y avait cette lutte entre les deux. Oui. Et moi, je trouvais que Kafka aussi était... de la psychologie, si on peut dire, comme Dostoïevski, qu'il était impossible qu'il y ait une littérature s'il n'y avait pas de vie psychique. Oui. Qu'elle était basée là-dessus, que le langage littéraire est basé là-dessus. Ce que j'avais voulu montrer dans de Dostoïevski à Kafka. Et puis après ça, j'avais écrit L'heure du soupçon pour m'attaquer à cette obligation de créer des personnages dits vivants, et puis, etc. Et puis quand tout ça est paru, et puis conversation et sous-conversation, au fond, je me défendais moi-même. Et à ce moment-là, on vous a invité à en parler, à faire des conférences sur ce sujet ? Non, pas du tout. Pas du tout ? Arlan avait pris ça pour la NRF, conversation et sous-conversation, que Sartre avait refusé pour les temps modernes, c'est trop contraire à ses idées. Ah oui. Et puis après, j'ai ajouté à ça un article, Ce que voient les oiseaux, qui était dirigé en somme contre le réalisme socialiste. Et Arlan l'a fait paraître en volume. C'était en 56, je crois. Et à ce moment-là, Robrier était très intéressé par ça. Il avait écrit un article dans Critique. Il avait voulu me rencontrer. On s'est rencontrés sous l'égide de Gadoffre au Château 2. Il avait dit qu'il faudrait un mouvement littéraire. Moi, j'ai dit je ne connais personne. Je suis complètement seul. Alors, il a écrit un article dans la revue Critique sur L'ère du soupçon, où déjà, il disait qu'il est d'accord sur tout ça, sauf sur l'idée de la vie intérieure. Donc ça, c'est de la blague. Et puis après ça, il a écrit dans la NRF, en mettant comme exergue une phrase de L'ère du soupçon. Et puis, quand il a écrit là, il m'a demandé de leur donner les tropismes aux éditions de Minuit. Et c'est sorti en même temps que La jalousie. Alors Émile Henriot, qui détestait les deux livres, avait écrit « Ce sont des nouveaux romans ». Ça a beaucoup réjoui. Il a été enchanté.
était un merveilleux propagandiste. Et c'est lui qui connaissait beaucoup de gens. Il était aux éditions de Minuit, enfin. Moi, j'étais toujours très seule. Je le suis comme je suis restée d'ailleurs. Et c'est comme ça qu'est venu ce mouvement du nouveau roman. Ils ont publié Butor après, Emploi du temps, puis Simon, etc. Finalement, c'est quelquefois un mot à caractère critique ou péjoratif qui est fondateur d'une école, les fauves. Oui, il n'y avait pas d'école. Non, mais c'est oui, c'est cela, oui. Ça n'avait rien de commun avec le mouvement surréaliste, par exemple. Non. Rien. On ne se rencontrait jamais. Il y a eu cette photo qui a été prise tout à fait par hasard. Tout à fait par hasard. Et on ne savait même pas ce que l'autre écrivait. Ça n'avait rien de commun, en général. À voix nue, entretien d'hier et d'aujourd'hui. Nathalie Sarraute s'entretenait avec Daniel Salnave. Réalisation, Daniel Finot. Demain, troisième entretien. Entretien d'hier et d'aujourd'hui. Aujourd'hui, Nathalie Sarraute s'entretient avec Daniel Salnave. Troisième entretien. Il est certain, on l'a dit bien souvent, que au moins autant de choses vous séparent que vous rapprochent, vous tous, qu'on a regroupés sous le... Oui, sous ce titre, le nouveau roman. Mais la seule chose qui vraiment nous rapprochait, c'est qu'on était tous pour une certaine liberté des formes. Voilà. Que le roman était libre, de comme la poésie, comme la musique ou la peinture, de choisir les formes qui conviennent. Et qu'on n'était pas obligé d'avoir toujours ce roman de modèle basacien. C'était la seule chose qui nous rapprochait finalement. Moi, j'avais en plus cette idée qu'on ne pouvait pas dire « Dijane, répondit Pierre ». Et que la conversation devait amener la conversation. Mais ça, je restais seule de mon bord, là. Il vous arrivait d'en parler entre vous ? Non, on n'en parlait jamais. Jamais. Je l'ai rencontré pour la première fois, Claude Simon à New York. Au moment où il y avait un colloque là-bas, je crois que c'était en 82. Je ne l'avais jamais rencontré, ni Pinget. J'ai fait connaissance de Pinget et de Claude Simon à ce moment-là, en 82. Je connaissais Robrier, je connaissais un peu Butor, parce qu'avec Robrier, on avait fait partie du prix de mai. On avait voulu donner le prix à Michel Butor pour l'emploi du temps, et les autres membres du jury avaient voté pour Jean Lagrelais. Enfin, nous avions quitté, nous étions partis, et le jury était dissous. Mais autrement, je ne les connaissais pas. Mais vous vous lisiez mutuellement, et vous écriviez après jamais, jamais. Je n'écrivais jamais, on ne se parlait pas. Est-ce qu'il y a des vraies divergences, de vraies... Par exemple, cette recherche de l'intérieur à la vie psychique que vous menez. C'est une divergence immense, c'est qu'il n'y a pour ainsi dire pas chez moi de description. Alors que, mettons, chez Robrier, c'est basé tout de même sur la description, qui chez moi est à peu près inexistante. Chez moi, tout est en mouvement intérieur, ça remue sans arrêt, c'est des mouvements intérieurs invisibles, psychiques... Et chez lui, ce sont des plans fixes, n'est-ce pas, surtout une description extérieure, très rigoureuse, très précise, mais extérieure, qui n'a rien à voir avec cette espèce de tourbillon intérieur qu'il y a toujours chez moi. C'est l'opposé, presque. Oui, disons qu'on pourrait dire vous décrivez, mais ce que vous décrivez, ce sont des mouvements intérieurs. J'essaie d'épouser ce mouvement par le mouvement de la phrase, les images, etc. Je ne vois rien de commun entre nous tous, absolument rien. Oui, même ce qui pouvait être votre adversaire commun, le personnage classique, vous le combattiez par des moyens opposés. Moi, je ne le combattais pas parce que, tout naturellement, je ne pouvais pas m'y mettre. Alors, j'ai eu un seul
dans le portrait d'un inconnu, il cherchait à travers des personnages mais qui ressemblaient en apparence à, mettons, des personnages balzaciens comme le père Grandet et Eugénie Grandet, mais il cherchait à trouver ces tropismes en eux, justement. Il avait eu beaucoup de mal à les trouver. À la fin, il était submergé. Ça devenait d'une telle complexité que les personnages du roman classique se sont introduits là et tout est redevenu comme le roman dit traditionnel. Et puis alors, dans le planétarium, j'avais essayé de montrer que nous nous voyons toujours les uns les autres comme des personnages, forcément. Pour nous mouvoir dans l'existence, nous sommes bien obligés de les voir du dehors comme des personnages. C'est ainsi qu'ils se voyaient. Et je voulais aussi montrer ce qu'il y avait par derrière, qu'ils avaient en commun, et qui était invisible. Et c'est pour ça que j'avais appelé le planétarium, parce que nous nous voyons comme des astres, qui sont des astres factices, n'est-ce pas? Le planétarium, ce n'est pas le vrai ciel. Mais on s'est attaché au fait que là, il y avait des personnages. Mais pour moi, ces personnages étaient un petit peu en trompe-l'œil. Et ce qui m'intéressait, c'était ces mouvements intérieurs qu'il y avait en eux. Mais ces mots, tropisme, planétarium, prouvent une certaine idée scientifique, j'allais mettre entre guillemets. Peut-être, malgré moi, ça a été pris là. Et vous voyez, le portrait d'un inconnu, c'était l'impression extérieure de ce qu'est un avare. Qu'est-ce que c'est qu'un avare? Et tout ce qui se passe dans un avare, qui n'a plus rien à voir avec ce qu'on appelle l'avarice, tout à fait autre chose. Eh bien, on a vu là, quand c'était traduit en américain, on a dit, c'est de nouveau l'éternelle avarice française qui est décrite là. J'avais justement voulu montrer que c'était ce qui n'était pas l'avarice qui était intéressant pour moi, qui au dehors se manifestait par, en effet, de l'avarice. En un sens, votre façon d'envisager le personnage, entre guillemets, ou la dissolution du personnage, elle s'inscrit tout de même dans une histoire. De Balzac à nos jours, le personnage, c'est quand même petit à petit... C'est sûr, c'est sûr. Mais quand on me dit que je n'aime pas Balzac, c'est une erreur profonde, parce que j'ai une immense admiration pour Balzac. Et je trouve que, à l'époque, des personnages comme le père Grandet, c'est comme si on reprochait à un peintre, n'est-ce pas, à Rembrandt, d'avoir peint autrement que Kandinsky. C'est tout à fait autre chose. Mais à l'époque, le personnage et l'intrigue et tout ce qu'il y avait dans l'œuvre de Balzac était une immense découverte, une immense création, une vision tout à fait remarquable et admirable. Et je ne crois pas du tout qu'on ait fait des progrès. Et je ne crois pas du tout au progrès dans l'art. Je crois qu'il est impossible de dire que la peinture moderne est ou la musique moderne est supérieure. C'est autre chose, c'est tout. Oui. Mais ces grands écrivains restent à leur place. Ce n'est pas ceux qui viennent après qui peuvent les en faire bouger. Je ne crois pas que l'apparition de Proust ait détruit quoi que ce soit à Balzac ou que Joyce ait pu nuire à Shakespeare. Je ne crois pas du tout. C'est autre chose. Simplement, ça évolue. Voilà. Et vous pensez qu'il y a des formes qui conviennent à un moment et à une époque donnée, et que ces formes ne sont plus praticables dans une autre époque? Je crois que c'est Flaubert, il me semble que je l'ai cité dans L'ère du soupçon, qui disait qu'il n'y a qu'une faute, c'est de répéter les découvertes des prédécesseurs. Mais c'était de véritables découvertes, et qui avaient besoin à ce moment-là du personnage très typé, très marqué, très fort, et de l'histoire, etc. Donc ce qui... peut-être là aussi vous sépare de certains autres théoriciens du nouveau roman, c'est que vous pensez qu'il y a bien entendu des découvertes successives, mais il n'y a pas de progrès, découvertes qui rendent caduques. Mais ça me paraît absurde, absolument. Absurde, outrecuidant au plus haut degré. Absolument. Et c'est pour ça que des livres, quand on ouvre certains textes de Balzac, en tout cas, ça vous saute au visage par l'intensité de vie et qui vient du fait qu'il a percé... trouver et fait un immense effort pour amener au jour quelque chose qui n'avait pas existé avant lui. Et c'est ça qui donne la vie à cette forme. Et la vie reste aussi intense. Tout à fait. N'est-ce pas? Je trouve absolument outrecuidant et absurde de penser même que l'art moderne a supplanté l'art ancien et que Stockhausen fait mieux que Mozart. C'est de la folie.
Mais il ne peut pas refaire du Mozart, reprendre la même forme. Voilà ce qu'il... Bien sûr, il n'y a pas de personnage dans le sens classique chez vous, mais il y a des, je dirais, des supports vivants. Des consciences. Des consciences. Ce sont des consciences d'êtres humains. Il s'agit d'êtres humains et ce sont des mouvements qui se produisent toujours chez des êtres humains. Mais peu importe exactement comment ils sont physiquement, qui ils sont, etc. Je crois que c'est assez général et que tout le monde l'éprouve. Je dirais même que c'est propre aux deux sexes, c'est propre à toutes les races. Et ça se manifeste peut-être autrement chez un noir d'Afrique, mais c'est généralement d'ordre tellement des réactions sensibles que peut-être il réagit à d'autres paroles, mais qu'il a les mêmes réactions. On a même l'impression, je dirais que c'est une volonté d'enlever tous les éléments qui seraient marqués socialement. Qui sépareraient les êtres. Qui sépareraient les... Voilà, vous voulez aller à l'essentiel. À quelque chose qui existe chez tout le monde. Je ne dis pas du tout que tout le monde est pareil, que toutes les actions de tous se ressemblent. Non, pas du tout, bien sûr. Pas du tout. C'est une absurdité. Mais là, à ce niveau-là où je me place, je ne dis pas du tout qu'il n'y a pas des choses plus profondes et plus intéressantes. Mais là où je me place, je crois que ça, c'est une expérience commune à tous. Mais les gens n'ont pas le temps de s'y arrêter parce qu'il faut le regarder à la loupe, il faut le montrer au ralenti et ça passe très vite. Oui, et il y a quelque chose, oui, qu'on peut appeler universel sans vouloir dire pour autant. Je pense que ça doit l'être. Oui, oui, sans être, sans vouloir méconnaître les vraies différences ou ce qui existe, mais il y a quelque chose d'universel. À ce niveau-là. Et qui rejoint ce qu'on disait précédemment sur le type de langue française que vous utilisez, qui a vous retirez les effets de couleur locale ou de couleur spécifique pour aller vers l'analyse. Cherche. C'est ce que je cherche, d'habitude. Quand on a mis en avant l'idée qu'il pouvait y avoir une écriture des femmes, une littérature féminine, vous n'avez pas dû être tellement d'accord avec ça. Ça me rend furieuse. Je trouve d'abord, on commence par dire ce qui est féminin, et puis après ça, comme c'est une femme qui l'a fait. Alors quand je le disais... Je leur disais Henry James, puisque c'est fin, etc., tout ce qu'on attribue à la pure féminité. Ah ben, c'est d'écriture féminine. Ben, bravo, alors. Oui. Même Proust, c'est d'écriture féminine. Elles en arrivaient à ça. Bon, très bien. Alors, on ne sait plus ce qui est masculin, ce qui est féminin. Arbitrairement, on dit ça, c'est masculin, ça, c'est féminin. Oui, c'était une façon d'enfermer, de l'unité. Oh, c'est un enfermement qui est terrible pour les femmes, parce que jusqu'à présent, ce sont les hommes qui ont dans toutes les branches tout fait. Pour des raisons, j'espère, sont des raisons qui n'existeront plus. Mais enfin, jusqu'à présent, si elles admettent qu'elles ont une certaine forme de sensibilité et d'intelligence qui leur permet d'écrire de cette manière-là, que lisent-elles et comment lisent-elles ? Eh bien, je n'admets pas de penser que je lis Dostoïevski ou Proust autrement qu'un homme. Je n'admets pas. Or, nous ne pouvons pas écrire sans avoir lu. Oui. Et tout ce que nous lisons, à peu près tout, a été écrit par des hommes. Oui. Elle s'enferme donc dans une sorte de gynécée. Oui. C'est stupide. Oui, il y avait une contradiction entre un objectif féministe et de l'autre côté, la définition de lieu spécifiquement féminin. Exactement. Oui. Elle se tue avec ça. C'est une contradiction que les jeunes femmes de 20-30 ans maintenant acceptent. Et moi, qui suis plus âgée, ben, je ne l'accepte pas je du tout. Je n'accepte absolument pas. Absolument. Je pense que... Être enfermé à la cuisine ou enfermé dans un style d'écriture féminin, c'est tout à fait, monstrueux. Monstrueux. Et quelles lectrices elles sont alors ? Elles ne peuvent lire vraiment alors que j'en ressens, etc. Oui, on lui remercie sur une âge Jane Austen et Sœur Brontë. C'est incroyable. Oui. Incroyable. Et comme on comprend qu'Emily Brontë est écrite sous un pseudonyme, parce que je défie qui que ce soit de dire que c'est une femme qui a écrit. Non, c'est monstrueux. Tout ce que vous écrivez prouve en effet ce lieu qui nous est commun, démontre qu'il y a c'est un lieu que qui nous est commun, c'est celui-là. En écrivant, je ne me dis pas je suis une femme, je suis vieille, je suis jeune ou quoi. Je suis un être humain, tout simplement. Dans la recherche que vous avez menée pour vous tenir au plus près de ces mouvements intérieurs, du langage et de la conscience, vous n'avez pas été tenté parfois par l'absence de ponctuation, la longue, en quelque sorte, désintégration de la syntaxe ? Non, pas du tout. Ça suit une certaine respiration, un certain rythme. Et alors, si j'en ai besoin, et quand j'en ai besoin, je me sers au contraire des virgules, des points, et surtout des points de suspension.
pour régler le rythme de la phrase, pour donner une certaine respiration à la phrase, pour que le lecteur puisse le lire un petit peu dans le même rythme que je l'écris. Alors ces points de suspension ont un effet de retenir un petit peu la phrase, et puis quelquefois elles permettent de ne pas l'achever, parce qu'elle peut s'achever toute seule dans la tête du lecteur. Enfin, je me sers beaucoup de la ponctuation, mais jamais des points-virgules, par exemple. Elle est très simple, il n'y a que des virgules, des points, ou des points de suspension, ou des points d'interrogation. Donc c'est ce qui distingue votre travail, votre recherche, du monologue intérieur pratiqué Oh, tout à fait, puis ce n'est pas du tout, ce n'est pas du monologue intérieur, parce que ce ne sont pas des mots que véritablement on prononce. Le monologue intérieur est vraiment l'écoulement, ce qui se fait en nous aussi, quand on le prend dans ce domaine-là, de véritables mots que nous prononçons. C'est en somme de la pensée, ce sont des choses que nous nous disons et qui défilent sans arrêt dans notre tête. Ici, c'est une chose qui est reprise, c'est des sensations qu'on éprouve et où j'essaie de le rendre par des images ou des métaphores qui rendraient cette sensation assez confuse qu'on éprouve, et qui est évidemment quelque chose de non dit d'intérieur, mais qui a besoin, pour que je puisse le communiquer au dehors et même le faire vivre à mes propres yeux, qui a besoin de mots pour s'exprimer. Mais ces mots sont surtout des images, des métaphores. Oui, parce que c'est plutôt la description de ce monologue que la restitution Exactement. De ce qui se passe à l'intérieur. Ce n'est pas la restitution, parce que ça se passe en nous de telle manière, d'abord très vite, ensuite aux limites de notre conscience, et nous n'avons ni le temps, ni la possibilité, ni même le désir de chercher des mots pour le dire. Quelque chose nous arrive, mettons un léger malaise ou une gêne, quelque chose comme ça, enfin une certaine rupture, et alors je suis obligée de le reprendre, de le regarder très grossi et au ralenti, comme nous-mêmes nous n'avons jamais le temps de le faire, pour essayer de retrouver tous ces mouvements invisibles qui se sont passés à l'intérieur de nous-mêmes. Alors je les reprends avec des images, avec des métaphores et dans un certain rythme, mais ce ne correspond pas du tout à ce qui, dans la réalité, se passe quand nous les éprouvons. Parce que la plupart du temps, nous n'avons pas le temps même de le développer. Ça passe très rapidement en nous. Alors que le monologue intérieur est quelque chose, et je sais que nous l'éprouvons tous quand nous marchons, nous nous promenons, qui se déroule en nous comme, et qui est véritablement comme enregistré. C'est comme un ruban. Le téléscripteur qui est fait de paroles et qui se déroule en nous. Oui, alors que chez vous, il y a un dédoublement constant. C'est plus conscient, le monologue intérieur. Alors ça, c'est au-dessous, en somme, du monologue intérieur, quand il n'y a encore aucun mot. Quelque chose s'est passé très rapidement, et puis on passe à autre chose. On n'a pas le temps de s'y arrêter. Donc, vous mettez en scène, en quelque sorte, un dédoublement entre l'observateur qui va décrire. Tout à fait. L'observateur. Oui. Il joue le rôle d'une sorte d'appareil qui serait placé là à côté de la conscience de celui dans laquelle ça se passe, qui le grossirait, qui le ferait passer au ralenti et qui serait. Ce serait une autre conscience qui n'est absolument pas la conscience que nous avons nous-mêmes. C'est ça tout mon travail, c'est-à-dire d'essayer de retrouver, en le grossissant, en le développant, quelque chose qu'on n'a pas eu le temps de voir clairement, ni d'exprimer par des mots. Il y a eu donc un moment où vous êtes prise vous-même comme votre propre sujet d'observation ? Non, alors j'essaye, généralement, ce ne sont pas des choses qui me sont arrivées à moi. Mais ce sont des choses que, quelquefois, ça arrive. Mais ce sont des choses que j'ai senties passer, si l'on peut dire, et quelquefois, il y a très très longtemps. Très très longtemps. Comme cette phrase, par exemple, qui a fait, c'était le sujet de toute une pièce, pour un oui ou pour un non, que j'avais entendu, je ne sais pas, quand j'étais jeune, où quelqu'un a dit, c'est bien ça. Et puis ça m'est revenu brusquement, mais combien d'années après ? Et tout d'un coup, ça s'est mis à vivre, à se développer, et ça a fait tout le sujet de la pièce. Est-ce que ce dédoublement en observateur a retenti sur vous ? Est-ce que vous avez pris l'habitude de le vivre, même quand Absolument vous ne l'écrivez pas ? Absolument pas, parce que
je fonctionne exactement comme tout le monde. Et quand ça se produit, la preuve, c'est une chose que j'ai entendu dire, c'est bien ça, il y a très très longtemps. Et c'était complètement, presque effacé de ma conscience quand ça a ressurgi. Je ne vois rien du tout. Je ne sens rien du tout d'autre. D'abord, la plupart du temps, je ne sens rien d'autre que l'apparence. Je ne vois que l'apparence des dialogues, de ce qui s'est passé. Et puis, ça passe quand il arrive quelque chose. C'est tellement rapide que généralement, je l'oublie comme tout le monde. J'ai un léger malaise, j'ai eu quelque chose qui est passé. Je n'ai pas eu le temps de m'y arrêter, les autres, comme les autres. Et c'est quand je travaille, quand je cherche des points comme ça, de rupture, dans lesquels quelque chose se met à vivre et à bouillonner, où il faudrait trouver un langage, des images et tout ça, que je trouve tout d'un coup des moments comme ça. Quelques-uns, même qu'il me semble que j'imagine, en tout cas, je n'ai pas de souvenir clair de les avoir entendus, certaines paroles. Mais ce n'est pas du tout quelque chose qui fait partie de ma vie courante. Absolument pas. Ni de mes rapports avec les gens. En même temps, on sent que cela vous conduit à être attentive à ces formes, déjà, cette espèce de concrétion qu'il y a dans le langage, qui sont peut-être des sortes de clichés, et que vous allez faire éclater pour en voir la... Ce n'est pas du tout, chez moi, même je n'ai pas conscience du tout que ce soit des clichés. J'ai l'impression que, là, Sartre, quand il a écrit cette préface, c'est tout à fait involontaire, il m'a rendu un mauvais service sans le vouloir, il a parlé de lieu commun, c'est-à-dire le langage qu'on emploie pour se communiquer. C'était dans ce sens-là, c'était des lieux communs à tous. Et on a pensé que je voulais toujours montrer des lieux communs. Moi, je ne les vois pas comme des lieux communs. Je vois ça comme des moyens de communication qui forcément sont du langage banal. Nous ne parlons qu'en langage comme ça, quand nous nous adressons les uns aux autres. Mais je ne cherche pas du tout à montrer que sous un lieu commun, il y a autre chose. Il se trouve que quelquefois, c'est des lieux communs. Il me semble que ce n'est pas fréquent. Généralement, ce sont des bouts de dialogue, tout simplement, qui sont écrits, qui sont évidemment dits dans le langage banal de la conversation. C'est tout de même ce que vous appelez dans « Tu ne t'aimes pas », être à l'abri de ces solides vieilles expressions. Quelquefois, parce que là, en travaillant, justement, oui, pour m'aider, je me disais, tiens, mais c'est une chose déjà qui possède quelque chose. Ça a déjà été pris dans une expression toute faite. Et comme elle vient à point, parce qu'elle va m'aider, elle va me soutenir, elle va me donner l'impression que c'est une chose que d'autres ont éprouvée et qui est de l'expérience commune. Parce que j'ai toujours cette angoisse, cette impression que peut-être les autres ne l'ont pas éprouvée quand je cherche à le montrer. Alors c'est à la fois rassurant, tout d'un coup, j'imagine, là je ne me rappelle pas bien ce passage, de trouver une expression toute faite qui vient m'épauler comme ça. Oui, vous dites, pourvu que ce ne soit pas peine perdue, pourvu que ça en vaille la peine, comme c'est bon, voilà, de tourner ainsi autour du pot, à l'abri de ces solides vieilles expressions. Voilà. C'est ça. C'est, qu'elle soit solide aussi, vous ne cherchez pas à la rendre fragile, elle est solide, elle est là. Oui. Pas du tout. Je voudrais rendre au contraire plus visible et plus fort ce que je crois qui est là. Et ce dédoublement dont nous parlons, qui apparaît très sensiblement dans plusieurs de vos livres, comme on l'avait déjà remarqué jusque dans Enfance, où c'est le plus singulier, oui, au fond, vous tournez tout naturellement vers le théâtre. Non, ce n'est pas venu naturellement. Ah, ce n'est pas venu naturellement. Du tout. Ah bon. C'est un jeune Allemand, Werner Spies, qui maintenant est un grand connaisseur d'art, il ne s'occupe plus de ça, mais à l'époque il était tout jeune, il représentait ici la radio de Stuttgart. Il était venu me demander d'écrire une pièce pour Stuttgart, j'avais dit je suis incapable, absolument incapable d'écrire une pièce, parce que tout ce qui m'intéresse c'est ce qu'il y a avant le dialogue, le pré-dialogue, alors comment je pourrais le faire? J'ai refusé, puis il est revenu, il m'en a reparlé, et enfin j'ai eu cette idée, au fond, en présence, je pensais à un silence dont j'aurais pu parler dans un de mes livres. Je me suis dit, tiens, si j'écrivais une pièce dans laquelle ce silence provoquerait quelque chose que les gens diraient à haute voix, alors que dans mes livres, il faudrait beaucoup de
d'images, de métaphores pour montrer ce qu'ils éprouvent en présence de ce silence. Eh bien là, ils le diraient. Ce serait en somme des dialogues tout à fait irréels, puisque personne ne dit ces choses-là. Ce silence durerait quelques instants, et moi, ça se développerait pendant une heure. Et comme ça, j'ai écrit ma première pièce. C'était une commande, en somme. Autrement, est-ce que vous aviez pour le théâtre un intérêt particulier ? Oh, j'allais au théâtre, mais pour je ne pensais genre jamais que ça pourrait me concerner en quoi que ce soit. Ben, j'avais été très frappée par, je me rappelle, les six personnages en quête d'auteur, et puis Strindberg, La danse de mort, avec Jean Villard, tout à fait au début, dans un petit théâtre, je crois que c'était à la Huchette. Enfin, comme ça, eh bien, les pièces qui me frappaient, qui m'intéressaient, mais pas une seconde, je n'avais pensé que moi-même, j'écrirais des dialogues de théâtre. Vous en étiez peut-être écarté par l'idée du personnage, encore que... Non, simplement parce qu'il me semblait que ce que j'écrivais, ce qui m'intéressait, c'était justement ce qui précédait le dialogue. Alors, ça m'était difficile de penser que j'écrirais un dialogue. Il a fallu que je fasse ce qu'on a appelé plus tard le gant retourné, c'est-à-dire que le pré-dialogue devienne du dialogue. Ça ne me venait pas à l'idée du tout. Et au fur et à mesure que le temps a passé, votre intérêt a été croissant pour le théâtre ? Eh bien là, quand j'ai fait la première pièce qui a bien marché, ça a intéressé. Pour la radio Stuttgart, j'en ai écrit une après sur le mensonge. De nouveau, quelque chose d'anodin, enfin qui ne présente pas d'intérêt vital, le mensonge en soi et tous les mouvements qu'il déclenche. Et puis après, j'en ai écrit encore quelques autres. J'en ai écrit 6 en tout. Des pièces qui après ont été montées au théâtre, mais je ne pensais pas un instant qu'elles seraient montées au théâtre, parce que je ne vois pas les personnages, je les entends parler. Et puis, je ne vois pas de scène, je ne sais pas comment ils sont, ces personnages, où ils sont. Alors, je ne voyais pas du tout une scène, un espace scénique, rien de pareil. Alors, le metteur en scène pouvait vraiment faire ce qu'il voulait. Réellement faire ce qu'il voulait. Oui, à condition que ce soit dit de la manière la plus proche de ce que j'entends, moi, quand je l'écris. C'est l'exigence de base, non de pas de base, et que... Oui. Le spectateur ne soit pas trop distrait par des décors extérieurs, par des situations concrètes qui alors l'empêcheraient d'être assez attentif à ce que je voulais qu'il entende. Il y a forcément tout de même une contradiction que vous surmontez, mais un acteur apporte, impose une figure, un âge, un corps, même une dimension sociale. C'est peut-être une gêne pour moi. C'est une gêne ? Ce serait plutôt, si c'était assez marqué, ce serait plutôt une gêne. Parce qu'en réalité, il faut que ce soit neutre, ce soit qu'on soit attentif uniquement à ses mouvements intérieurs qu'il est en train de montrer par sa parole. Et si on est trop occupé de lui, qui il est, de sa situation, etc., alors on est distrait de ça. C'est déjà pas tellement facile, ces dialogues. Et alors là, comme ça ne joue pour moi aucun rôle, qui il est, je pense que ça se passe chez n'importe qui, alors c'est plutôt quelque chose qui m'aurait dérangé. Non, il faut que l'acteur donc soit assez léger pour ne pas imposer son... Exactement. Vous avez assisté en général aux répétitions ? Oui, j'ai assisté aux répétitions, oui. Mais sans dire grand-chose, parce que je ne peux pas beaucoup mêler les mouvements en scène quand il entre, quand il sort, etc. Tout ce qui concerne l'action extérieure. À voix nue, entretien d'hier et d'aujourd'hui. Nathalie Sarraute s'entretenait avec Daniel Salnave. Réalisation Daniel Fineau. Demain, 4e entretien. À voix nue.
Entretien d'hier et d'aujourd'hui. Aujourd'hui, Nathalie Sarraute s'entretient avec Daniel Salnave. Quatrième entretien. Tout à fait au début de « Tu ne t'aimes pas », vous écrivez « Vous ne vous aimez pas ». Mais comment ça? Comment est-ce possible? Vous ne vous aimez pas. Qui n'aime pas qui? Toi, bien sûr. C'était un vous de politesse, un vous qui ne s'adressait qu'à toi. Alors, qui parle à qui? Ça, c'est... Je ne saurais pas vous le dire. Véritablement, c'est comme ça. C'est peut-être ce tu imaginaire que je serais moi-même, mais je n'ai pas à ce moment-là l'impression que quelqu'un s'adresse à moi. C'est des paroles qui veulent rendre quelque chose, justement, qui aboutit à cette désintégration de la personne. Mais sur le moment, ça m'est très difficile de vous l'expliquer. Disons que c'est quelqu'un qui s'adresse à moi. Mettons, ça simplifierait les choses. Mais je ne le sens pas comme ça en l'écrivant. Mais cette phrase « Vous ne vous aimez pas, ma lecture ne pouvait pas le rendre » est écrite elle-même entre guillemets. C'est une citation. Oui, c'est comme si quelqu'un avait dit ça. J'imagine que quelqu'un a dit à quelqu'un d'autre « Vous ne vous aimez pas ». Alors de là est parti tout le livre. De cette phrase, imaginée ou entendue, vraiment je ne saurais pas le dire franchement, « Vous ne vous aimez pas » est parti tout le livre. On dit à quelqu'un d'autre, voilà justement une de ces phrases banales que quelqu'un a dit à quelqu'un d'autre « Vous ne vous aimez pas » et tout d'un coup ça a déclenché tout. Comment? Mais qui n'aime pas qui? Comment est-ce que je peux m'aimer ou ne pas m'aimer? Et tout est parti de là. Alors c'est comme quelqu'un qui, moi-même m'adressant à moi, ou enfin l'auteur s'adressant à lui-même, ou un personnage imaginaire s'adressant à lui-même, ça, peu importe. Évidemment, le lecteur forcément se pose une question. Est-ce que c'est une phrase que vous vous êtes dite à vous-même? Ah, jamais, jamais, jamais. Je ne me suis jamais dit ça. Et puis je ne me parle pas, je ne me dis pas à vous quand je me parle à moi-même. Je dis « tu ». Mais c'est une phrase que peut-être j'ai dû entendre, j'ai probablement entendu, mais je ne saurais pas me rappeler dans quelles circonstances ou à qui. C'est une phrase qui est restée comme ça, en moi, dans ma tête. « Vous ne vous aimez pas ». Je ne sais pas où je l'aurais entendue. Je ne sais pas, je ne peux pas me rappeler du tout. En tout cas, elle a dû rester. Ça reste toujours fiché quelque part, je ne sais où, et puis ça ressort brusquement, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. C'est en attente. Quelque part, sans que je le sache. Comme c'est bien ça. Dieu sait quand je l'ai entendu, à quel propos. Là aussi, probablement, je l'ai peut-être entendu quelqu'un disant à quelqu'un d'autre, et puis ça s'est effacé. Ça a dû être enregistré quelque part. Et quand on vous pose une question comme cela sur la manière dont les choses sont venues ou sont parties, est-ce que vous aimez qu'on vous pose ces questions ou est-ce qu'elles vous dérangent plutôt? Je ne sais pas bien y répondre. Parce que j'ai toujours l'impression que ça vient comme ça, tout d'un coup. Et là, je ne saurais pas dire, je ne me suis pas dit une seconde, il faut que je fasse un livre dans lequel il sera question de ça. Petit à petit, des impressions s'étaient amassées au cours de toute une vie, qui avaient été rangées quelque part, probablement. Et puis cette phrase est venue. Je ne peux pas me rappeler comment et de quelle manière c'est arrivé. Parce que « tu ne t'aimes pas » peut vouloir dire deux choses. L'acception un peu habituelle, « tu ne t'aimes pas ». Et puis aussi, « tu n'aimes pas ce que tu es, tu n'aimes pas parler de toi, par exemple ». Non, moi je ne pensais pas, j'avais peur qu'on pense, qu'on prenne « tu ne t'aimes pas » dans le sens « tu te détestes ». Voilà, ça me faisait peur, mais je n'avais pas le choix. Parce que ça devait venir à propos de quelqu'un qui a dit « vous ne vous aimez pas » et ça a déclenché cet étonnement, cette stupeur. Mais j'espère que dans le texte, on montre sans arrêt qu'il n'y a ni amour, ni haine, ni sympathie, ni antipathie, puisque je ne sais pas qui je suis et que je suis quelque chose de tellement immense et complexe et contradictoire qu'il est difficile de savoir qui je peux détester ou qui je peux aimer dans tout ça. Parce que je crois que c'est comme ça, en tout cas, d'après ce que j'ai observé, qu'il est très difficile... Quand on dit quelque chose de quelqu'un, on le juge d'après ses conduites extérieures. On dit il est avare ou
il est mesquin, quelque chose comme ça. Mais intérieurement, ça ne répond presque jamais à ce qu'il pense lui-même, parce qu'il y a une telle complexité chez lui, tant d'actions contradictoires même, au cours de toute sa vie, qu'il lui est très difficile de poser une étiquette sur lui-même et que ça lui paraît toujours faux. En tout cas, moi, toujours, tout ce qu'on m'a dit de moi me paraissait toujours inexact, puisque je voyais toujours autre chose et qui le contredisait. Oui, vous avez voulu aussi réduire peut-être cet écart, en permettant à cet intérieur-là de se décrire, de se dire. Oui, il m'est très difficile, c'est pour ça que je n'aime pas beaucoup, je ne parle pas de moi-même, j'en suis bien incapable, parce que je ne sais pas de qui je parlerai. Je ne me vois pas du tout au dehors, comme personnage, et je ne me rends pas compte de l'impression que je fais, et je ne sais vraiment pas de qui je parlerai à ce moment-là. Et plus généralement, est-ce que vous pensez que, au fond, c'est une habitude qu'on a prise et qui n'est peut-être pas bonne de demander aux auteurs, aux écrivains de parler de leurs livres ? Est-ce que ça en fait partie ? Ça, vous pensez que c'est bien ? Moi, je crois que dans la mesure où ça ne les gêne pas, si ça les gêne, ils peuvent ne pas rien répondre et refuser. Dans la mesure où, au contraire, ils ont envie d'en parler et peut-être qu'on sente mieux, qu'on comprenne mieux ce qu'ils font, pourquoi pas ? Vous, ça ne vous dérange pas ? Moi, ça ne me dérange pas. Parce que les choses essentielles sont mystérieuses pour moi aussi et que je ne peux pas y répondre. Ce n'est pas que je refuserais d'y répondre parce qu'il règne autour du créateur, entre guillemets, cette espèce de grand mystère. Moi, je suis tout à fait en dehors de ce genre d'attitude que je n'aime pas du tout. Je crois que je suis incapable d'y répondre, tout simplement. On me dirait d'où c'est venu, je n'en sais rien du tout. En parlant, vous prolongez, en quelque façon, vous prolongez aussi ce qui était le mouvement, d'où le livre est sorti en disant cela. Peut-être, oui. Alors, à partir, donc, revenons, hein, si vous voulez, à « Tu ne t'aimes pas ». À partir de cette phrase « Vous ne vous aimez pas » et de ce qu'elle cachait ou impliquait, est-ce que vous vous souvenez de la manière dont il s'est construit pour vous ou est-ce qu'elle demeure mystérieuse ? Alors là, j'oublie très rapidement. Je sais que ça se construit avec beaucoup d'angoisse et d'inquiétude, mais on oublie. Vous savez, après une opération, même on a beaucoup souffert, on oublie ça. On ne se souvient plus. Et alors j'ai toujours l'impression que, quand je le relis, que c'est venu tout seul, et que c'était facile alors que ça demandait un travail énorme et que ça prend toujours beaucoup de temps. Mais ça, je l'oublie. Et en le relisant, à côté de ce que je suis en train de faire et qui ne marche pas comme je voudrais, c'est toujours mon état habituel. Alors, le reste me paraît d'une facilité extrême. D'ailleurs, vous scandez une sorte de patience aussi, scande le livre, parce que la fin de la première partie, c'est « Il faut attendre, rester à l'affût, ne pas se laisser distraire, que tous, tant que nous sommes, se tiennent prêts. » Oui, parce qu'à partir du moment où j'ai trouvé cette idée de cette complexité et cette décomposition du moi provoquée par ce catalyseur qu'étaient ces paroles « Vous ne vous aimez pas », ça m'intéressait de trouver des états, des situations dans lesquelles, justement, ça pourrait se développer. Et c'est là qu'il y a une recherche. Il faut en imaginer ou en retrouver, et ça demande du temps. Et ce temps-là, se traduit par des apparitions successives. Deuxième partie, quelque chose apparaît. Quelque chose, mais il faut rester, il faut attendre souvent avant que ça apparaisse. Apparaît tout d'abord est d'une grande simplicité. Et alors il faut beaucoup essayer de le mettre en mouvement, de le creuser, de le grossir, pour que ça commence à présenter un intérêt, que ça commence à vivre, à révéler ce qu'il y a dedans. Parce qu'au premier abord, ben, ça n'a rien de très intéressant, vous ne vous aimez pas. Mais donc le temps du livre, c'est aussi le temps réel pendant lequel vous attendez que les choses apparaissent. Le temps du livre, qui met souvent très longtemps, enfin, je mettais toujours 4 années en moyenne, et quelquefois même plus, mais j'étais interrompue par une maladie ou des choses comme ça. Généralement, c'est le temps à la fois de le trouver, et puis l'ayant trouvé, trouver ce n'est même pas le mot, il faut le mettre en mots, n'est-ce pas ? Ça ne suffit pas de trouver une sensation, encore faut-il la révéler, la faire vivre à travers des phrases. En même temps, il y a un certain humour qui gouverne le propos. Par exemple, quand vous dites « Regardez qui je ramène ». Ça, l'humour est
quelque chose dont je ne me rends pas compte. Je crois qu'il vient peut-être de ce grossissement d'une chose qui paraît infime, et c'est ça qui est drôle. Et puis de cette distance qu'il y a par rapport à la chose. Je crois que ça fait un effet d'humour. Vos images aussi, le bonhomme de neige qui fond. Oui, peut-être. Moi, je ne le vois pas comme de l'humour, mais peut-être ça fait cette impression. C'est un mélange d'humour et de... On pourrait vous dire, peut-être le mot vous choquerait, on pourrait vous dire que vous êtes un écrivain réaliste. Je crois, parce que quand j'avais écrit L'ère du soupçon, je revendiquais pour l'écrivain ce nom de réaliste qui était mal appliqué, parce qu'on l'appliquait à l'époque surtout au réalisme socialiste, à la description extérieure des situations, des faits, tout ça. Mais moi, c'est quelque chose dont je suis certaine que ça existe. Et c'est dans ce sens que j'appelle ça réel. C'est une chose dont je suis sûre, ou à peu près sûre, je l'espère en tout cas, que chacun peut le ressentir. Par conséquent, ça a une certaine existence réelle chez les gens. Mais il n'a pas le temps de s'en occuper, il a bien autre chose à faire. Ce n'est pas un écrivain, il sent ça, mais quand il le lit, quand il le voit comme ça, grossi, je pense qu'il y a des lecteurs qui le retrouvent en eux. C'est un grand secours pour nous que vous acceptiez ce mot de réaliste. Ça nous aide à le séparer de tout le côté social, sociologique, psychologique. Oui, tout à fait. Psychologique dans le sens de la psychologie traditionnelle, analyse des sentiments. Enfin, on dirait plutôt psychique, hein, c'est-à-dire intérieur. C'est de la vie intérieure qui, à mes yeux, est réelle dans ce sens qu'elle existe chez chacun, je crois. Et c'est là que je suis certaine que ça existe chez les gens qui appartiennent à des sexes différents, des âges différents, des classes différentes. Peut-être, je ne sais pas, un noir d'Afrique ne l'exprimerait pas de la même façon, mais je suis sûre qu'il peut ressentir ces mouvements-là. Et tout de même, tout à l'heure, vous avez rejeté l'idée d'un lieu commun, d'un cliché. Mais on voit bien apparaître au fur et à mesure, toujours dans « Tu ne t'aimes plus », ces petits assemblages de mots par lesquels quelqu'un se peint. Je prends par exemple « 20 ans de bonheur », et oui, j'ai eu ça. Ah là, oui, là, je prends alors exprès de ces expressions toutes faites, de ces énormes choses qu'on plaque, justement, sur quelque chose d'extrêmement complexe. Mais voilà un passage que peut-être on pourrait lire. Oui, vous voulez lire maintenant ? Si vous voulez. 20 ans de bonheur. Et oui, j'ai eu ça. Une pierre précieuse qu'ils sortent de leur coffret à bijoux et nous font admirer. 20 ans de bonheur. Un joyau dont ils se parent devant nous. Ainsi embellis, ils se contemplent. Ils se trouvent encore plus dignes de s'aimer. C'est que 20 ans de bonheur mettent en valeur de ces qualités. Une âme pure, harmonieuse, généreuse, et aussi un certain concours de circonstances, ils le reconnaissent volontiers. J'ai eu de la chance, et cette chance qu'ils ont eue ajoute encore à leur fierté. Le ciel ne distribue pas ses faveurs à n'importe qui. Pas à nous, en tout cas. Même 10 ans, même 1 an de bonheur, lequel d'entre nous, lorsqu'il est de service au dehors et incité à se parer, oserait jamais se montrer avec ça. Rien que ce mot « bonheur » fait apparaître en nous, quand on essaye de le voir avec plus de netteté, de ces images. Celles des dépliants offerts aux vacanciers, une mer toute lisse, toute bleue, un ciel sans nuages. D'ailleurs, sans nuages vient souvent s'ajouter à « bonheur » pour faire encore mieux ressortir sa perfection, sa parfaite pureté. Il y a bien eu chez nous aussi des moments quand on était comme emporté, soulevé, fondu, confondu, dissous. On était hors de nous-mêmes. Il aurait fallu pouvoir revenir à soi, se retrouver, recouvrer son sang-froid, se retourner, se regarder. Que se passe-t-il en nous ? Comment ça s'appelle, ce qui nous arrive ? Chercher un nom convenable parmi ceux qu'on connaît, choisir bonheur et calmement déclarer que ce sont des instants de bonheur que nous sommes en train de vivre. Mais c'est cela, justement, qui ne nous est pas possible. Aucun nom amené du dehors
ne s'est donc posée sur ces instants. Ils n'ont pas reçu le baptême. Ils demeurent pour toujours dans les limbes. Quand nous nous efforçons de les retrouver maintenant qu'ils sont passés, que nous en sommes éloignés, ils nous apparaissent parfois comme des points incandescents disséminés çà et là sur de vastes étendues brumeuses. Alors, quel tour de force que d'arriver à nommer sur le champ chacun de ces instants, de réunir ces bonheurs épars, de bien les serrer les uns contre les autres, d'en faire un bloc compact, énorme, 20 ans de bonheur. Mais nous nous égarons. 20 ans de bonheur, ce n'est pas fait de bribes éparses mises bout à bout, Dieu sait comment. Bonheur n'est pas un nom qu'il a fallu chercher pour essayer de le poser sur Dieu sait quoi. Le bonheur était là, tout préparé, connu depuis toujours, bien visible de très loin, s'étalant partout, s'offrant, arborant son nom, le nom le plus réputé qui soit, le plus prestigieux. Ceux qui ont pu acquérir le bonheur et le conserver pendant 20 ans n'avaient jamais cessé de le contempler depuis leur enfance. On le leur avait montré sous toutes ses faces. On leur avait appris à l'adorer. Ils savaient qu'il n'existe rien sur cette terre de plus désirable. Il est naturel que celui qui s'aime, toujours occupé à prendre bien soin de lui-même, se soit toujours tendu vers le bonheur de toutes ses forces. Mais vers quel bonheur? N'y en a-t-il pas pour tous les goûts, de toutes les sortes? Si, mais les plus réputés, les mieux cotés, ceux que proposent les plus beaux dépliants, ceux qui portent les meilleures marques, sont en nombre limité. Certains matériaux de grand luxe entrent dans leur composition. L'amour, bien sûr, un modèle, une perfection d'amour, et puis le succès. Et puis, mais pourquoi perdre notre temps à énumérer ce que nous connaissons sur le bout du doigt? Forcément, celui qui s'aime se sent injustement privé tant qu'il ne l'a pas eu, ce bonheur que d'autres, qui en sont moins dignes, possèdent. Alors, quand il lui est échu, comme il est rasséréné. Il savait bien qu'il était fait pour le bonheur et que le bonheur était fait pour lui. Le bonheur est le milieu ambiant qui lui convient. Le bonheur est son élément naturel. Le bonheur est l'air qui respire et lui respire le bonheur. Mais après 20 ans de bonheur, qu'a-t-il bien pu se passer? Est-il possible d'imaginer qu'il en soit sorti de lui-même, qu'il l'ait volontairement quitté? Bien sûr que non. Seul un malheur aussi grand, aussi fort, aussi réputé et respecté que le bonheur, a pu en arracher celui qui s'aime. Un beau malheur, lui aussi digne de lui, et qui ne le fait pas déchoir, un malheur qu'il peut montrer, qui est même parfois saillant, aussi saillant que le bonheur. Mais ne soyons pas méchants, pourquoi dénigrer ceux qui s'aiment? C'est que par moments, on les envie tellement. En vous écoutant, je pensais que vous êtes inscrite là dans une quelque chose qui est une très belle tradition, qui est, j'appellerais ça, la littérature des moralistes. Oui. Vous faites le portrait comme on faisait au XVIIe siècle, oui, de figures. Celui qui s'aime et qui a besoin d'un malheur aussi, oui, aussi saillant que le bonheur qu'il a quitté. Là, vous quittez tout de même le terrain des mouvements les plus secrets pour atteindre des figures qui sont des figures sociales que nous croisons. Pour moi, je ne vois pas comme ça. C'est cette expression. Oui, en effet, vous avez raison dans ce sens que j'essaie de montrer quelqu'un qui s'aime. Alors je cherche à ce moment-là des figures qui sont vagues, je ne sais pas à qui elles appartiennent. Quelqu'un qui prononce ces mots, j'ai eu 20 ans de bonheur. Donc je ne saurais pas vous dire qui c'est, ni son sexe, ni son milieu, ni rien. Alors ce sont ces mots, pour moi, qui m'intéressent. Ils révèlent justement cette adhésion à une idée toute faite, à une convention,
à quelque chose qu'on appelle le bonheur, et quelqu'un s'en sert comme d'un bijou pour s'emparer. C'est tout à fait exact ce que vous dites. À ce moment-là, oui, c'est là qu'apparaissent ces images de ceux qui s'aiment, et après, alors, il y a ces tropismes qu'ils produisent chez nous, qui les écoutons, nous, c'est-à-dire tous ces personnages, qui, ces consciences qui composent cet être-là, qui dit nous. Nous, à tour de rôle, ce sont toutes ces voix qui composent le jeu. Le jeu qui appréhende ça, qui réfléchit, qui voit ces personnages hors de lui. Et là, vous alors là, après ça, il y a des mouvements intérieurs. Pourquoi ce nous n'arrive pas à ressentir le bonheur? Alors là, j'arrive, ce sont ces mouvements intérieurs qui m'intéressent. Et ce qui est frappant, c'est que émerge un personnage, pas du tout au sens de la littérature traditionnelle, mais qui est d'une vie extraordinairement présente. Ah oui. Oui, ben, c'est-à-dire pour moi, il est très présent par le fait qu'il est capable de dire et de sentir et de penser qu'il a éprouvé 20 ans de bonheur. C'est une curiosité pour moi, quelqu'un qui dit ça, qui est capable de s'imaginer ça lui-même. Pourquoi c'est une curiosité? Parce que, comme après je le montre, premièrement, quand nous avons ces moments de bonheur, nous ne nous en apercevons même pas, parce que au moment où nous le disons, c'est que nous ne sommes déjà plus dans le bonheur, on est déjà sorti et on regarde du dehors et on dit ah, « je suis heureux, c'est du bonheur », c'est qu'on n'y est pas. Parce que quand on y est, la sensation est tellement forte et violente qu'on ne se dit rien du tout. On la vit sans savoir ce qu'elle est, on ne dit pas « c'est du bonheur », comme on ne dit pas d'ailleurs « c'est du malheur ». On l'éprouve, c'est tout. Alors c'est déjà un mouvement qui est assez étrange pour moi. Et ensuite, l'étendre sur 20 ans, c'est une simplification tellement stupéfiante d'une vie qui est composée d'instants chez tous, variables, mouvants, innombrables, changeants. Chaque fois qu'il est difficile même de dire, enfin, après coup qu'on a eu, mettons une heure, on peut le dire, mais une journée entière de bonheur, ça me paraît déjà stupéfiant. Quand vous jugez stupéfiant, est-ce que vous pensez qu'au fond, il y a chez nous, puisqu'il faut dire nous à ce moment-là, quelque chose comme de la mauvaise foi, une représentation complaisante de soi? Je crois que c'est un besoin de plaquer sur soi, sur quelque chose qui est très complexe, quelque chose qui est agréable et qu'on regarde comme une image qu'on plaque sur sa vie. Les gens vous parlent comme ça de 20 ans de bonheur et ça leur fait plaisir d'imaginer que comme une grande plaque, pour moi c'est comme une plaque tombale parce que toute la vie qui était par en dessous est éliminée et arrêtée à ce moment-là. Mais pour eux, ils voient écrit dessus 20 ans de bonheur. Il l'a éprouvé et il y a quelque chose même de, comme je le dis, de valorisant là-dedans. Est-ce qu'il y a des moments tout de même, tout court, dans l'existence où on peut être vrai, où on n'est pas pris dans ce désir de plaquer sur soi ce masque ou cette d'ailleurs, armure? D'ailleurs, on l'est, je crois, sans arrêt quand on vit, tout simplement. Quand on est seul avec soi-même, qu'on ne cherche pas à se montrer à qui que ce soit, on est dans le réel, on est dans le vrai, dans ce qu'on ressent. Oui, mais alors dans ce cas-là, ça voudrait dire que quand on passe au langage, on risque de ne plus être on vrai. On risque justement, en passant au langage, sauf quelquefois dans un certain monologue intérieur dont on ne se rend même pas compte qu'on prononce des mots, en réalité, si on se surprend à les prononcer, alors à ce moment-là, ça coule de nous tout spontanément, mais le langage, forcément, comme c'est un lieu commun, comme disait Sartre, forcément, il aplatit et il durcit, il fige quelque chose qui est à peine saisissable et très mouvant. Il plaque sur nous la tentation du regard de l'autre. C'est ça. C'est une sorte de regard étranger que nous plaquons sur nous-mêmes. Ce regard qu'expriment les mots de tous. Oui, ce qui veut dire qu'il y a un face-face avec soi-même et peut-être avec l'autre, mais dans des cas tout à fait privilégiés, où on est quand même dans la vérité. Tout à fait, je pense aussi, oui. Certainement. C'est important, ça. Oui, ça c'est très important. Mais là, j'ai décrit un peu plus loin ce qu'on peut appeler un amour partagé, mais ne veulent pas dire que c'est un amour partagé, précisément parce que ils sont trop dans un certain niveau où ils ne peuvent même pas prononcer des mots comme cela. Quelque chose arrive,
Il serait dérisoire de plaquer dessus le mot amour ou amour partagé ou des choses comme ça. C'est hors des mots, ce qui leur arrive. Oui, et à ce moment-là, vous prenez même la phrase, le sujet, le verbe, le complément, qui est sujet, qui c'est est ça. Complément, c'est ça. Et l'expérience se dissout. Tout à fait. Et le dire, ce serait déjà une sorte d'aller, comme je dis, à l'extérieur et s'amuser à jouer avec le langage des autres pour le plaquer sur soi. Au fond, la marge de manœuvre est étroite. On est toujours au bord de sortir de la vérité et d'être un mot qu'on n'ose plus employer, oui, mais qui était inauthentique. C'est toujours ce déchirement, c'est-à-dire le langage, on en a besoin, et la preuve, j'en ai besoin pour pouvoir le communiquer aux autres. C'est une nécessité absolue. En même temps, le langage, évidemment, fige et simplifie ce qu'on voudrait montrer. À voix nue, entretien d'hier et d'aujourd'hui. Nathalie Sarraute s'entretenait avec Daniel Salnave. Réalisation Daniel Fineau. Demain, cinquième et dernier entretien. Entretien d'hier et d'aujourd'hui. Aujourd'hui, Nathalie Sarraute s'entretient avec Daniel Salnave. Cinquième et dernier entretien. Une chose dont j'imagine vous n'avez pas du tout envie de parler, c'est d'un travail sur lequel vous êtes en ce moment penchée. Oui, ça c'est très difficile pour moi. Impossible même. Parce que déjà, je suis comme ça, dans le doute, l'angoisse et tout, et je le figerais aussitôt, ça perdrait tous ces mouvements qu'il faut que je trouve, et je me sentirais obligée peut-être d'aller dans une direction que j'aurais indiquée en parlant. Enfin, ça m'empêcherait de travailler, vraiment. Oui, en quelque sorte, la chose est morte quand elle a été dite, oui, avant d'être écrite. Oui, on ne peut pas la dire comme ça. Et puis alors, même quand ça a déjà été fait, ou pour les livres même qui ont paru, si on commence à les résumer en langage plat et ordinaire, c'était pas la peine de se donner tout ce mal pour l'écrire, si on peut le résumer comme ça. Ça l'aplatit complètement, ça enlève tout, parce que je crois que comme pour un tableau, ou comme pour la musique, pour la littérature, c'est la même chose, c'est au contact du texte qu'on doit trouver cette sensation. En dehors du texte, si je commence à parler maintenant, même d'un auteur que j'aime énormément, en parler comme ça ne peut pas rendre ce que donnera la simple lecture d'une page de son texte, ou même de quelques phrases. Parce que la sensation qu'il veut communiquer, elle jaillit de son texte, de ses paroles, de son rythme, etc. Alors si on en parle, on l'aplatit complètement. On donne le sujet, c'est tout. Mais en revanche, vous accompagnez votre propre travail par ce type de commentaire qui le prolonge, qui ne le résume pas, mais qui en décrit la dynamique, la marche. Peut-être, je ne sais pas très bien ce que je fais. Vous avez dit, quand on parlerait d'un tableau, quand on parlerait de musique, est-ce que vous accepteriez des comparaisons musicales avec ce que vous faites? Oh, dans l'air du soupçon, je revendiquais pour la littérature les privilèges que possèdent les autres arts. Et notamment le changement continuel des formes, la liberté des formes qui existait pour la poésie, mais qui pour le roman n'existait pas au moment surtout où j'ai écrit L'ère du soupçon. Le roman qui se servait du langage dont on se sert habituellement, alors que les sons et les couleurs ne servent pas à l'usage ordinaire, servait aussi à instruire, à informer, qui faisait que le roman cessait d'être une œuvre d'art, à mes yeux. Mais est-ce que l'écoute de la musique, par exemple, joue un rôle pour vous? Non, pas du tout. J'aime beaucoup
y a la musique que j'aime énormément, mais j'évite de l'écouter. Je ne sais pas pourquoi, la musique me donne une impression d'angoisse. Et quand elle est très belle, l'angoisse devient plus forte. Je me le refuse même. Il faut que je sois très bien, très détendue, que je ne travaille pas pour que je puisse écouter de la musique. C'est quand... Au contraire, la peinture est apaisante. Elle a quelque chose de, qui fixe l'instant, qui lui donne une impression d'éternité. Il s'en dégage une sensation très forte et qui est apaisante parce qu'elle vous remplit dans une immobilité en même temps, comme un infini qui est là, qui a été figé dans ce tableau, qui a été saisi et figé. Alors que la musique, il y a un écoulement qui m'angoisse. Quand vous dites la peinture, vous avez des domaines ou des époques ou des de prédilections? J'en citerai trop. Vous n'avez pas Je n'ai pas, non. Mais un goût de la peinture il y a profond, ancien. Qui peut-être même, aux yeux des connaisseurs, ont moins de valeur que d'autres. Par exemple, chaque fois que je vais à Venise, eh bien, il faut que j'aille regarder un certain Tiepolo qui se trouve à l'Académie et qui me met dans un état, là on pourrait dire, de bonheur. Qu'est-ce... Je ne me rappelle plus comment il s'appelle, c'est un grand tableau. Je crois que c'est l'Ascension de la Vierge ou quelque chose comme ça, que les grands connaisseurs placent au-dessous de certains autres et qui me touchent moins. Ça, c'est... Et la musique, donc, je ne parlais même pas d'en écouter pendant que vous travaillez, car c'est un dérangement. Ça, ce serait absolument impossible. Tout à fait impossible. Impossible, parce qu'alors j'écouterais la musique qui m'entraînerait dans des domaines qui ne sont pas du tout les miens et je suis déjà en train de patauger chez moi. Alors il vaut mieux que je reste là. Cependant, quand on vous lit... On pense très souvent à la progression et à la construction musicale. Alors ça, c'est tout à fait inconscient, tout à fait inconscient. J'essaie de retrouver le rythme dans lequel se déroulent tous ces mouvements intérieurs et qui sont finalement une action dramatique qui est en train de se passer. Il y a toujours un commencement et une fin dans tous ces morceaux. On pourrait même pousser loin la comparaison, le travail par thème et variation, par exemple. Exactement, il y a des variations. Oui, c'est vrai, mais sans que jamais j'ai pensé à établir une comparaison. C'est très curieux que je puisse parler comme ça de mon travail, parce que je crois que quand je travaille, je suis à un tel point dedans que je n'ai aucun jugement sur la façon dont je le fais. D'où ça vient, qu'est-ce qui se passe, j'en sais rien. Je suis en présence d'un obstacle ou de quelque chose qu'il faut surmonter. Et je ne vois que ça. Je n'entends rien à côté de moi. Je suis entièrement prise là-dedans. Et je ne sais pas ce que je suis en train de faire. Alors, par un effet de mimétisme, qui est dû aussi à la lecture que je fais de vos livres pour l'instant, peut-être nous faisons sur vos livres ce que vous faites dans les livres. Nous essayons de saisir ce qui est si difficile à saisir. Ça me sert beaucoup de ne jamais relire mes livres, parce que j'ai dû, tout à fait par hasard, j'ai ouvert, je n'avais pas ouvert depuis j'avais écouté, j'étais obligée de le faire, écouter une traduction en anglais. Je rouvre Entre la vie et la mort, et je ne sais même jamais dans quel livre ça se trouve, et je trouve, c'est bien ça. Et je me suis dit, quelle chance que je prie tout à fait autrement et dans d'autres circonstances, mais je me suis dit, quelle chance que je ne l'ai jamais revu, parce que pendant tout le temps qu'on a joué pour un oui ou pour un non, et longtemps après, je ne me rendais absolument pas compte que c'est une expression dont je m'étais déjà servi des années avant. Il y a donc très longtemps que j'ai dû entendre ça. Là encore, c'est très musical, cette reprise des... C'est très curieux, ça, que je... Je l'ai repris sans m'en rendre compte, mais alors en faisant tout à fait autre chose. Vous parliez de traduction tout de suite, puisque nous en avons parlé, vous avez une pratique tout à fait rare d'un bon nombre de langues. Vous surveillez les traductions? Alors là, de vos ma traductrice habituelle, Maria Jolas, qui est morte malheureusement, et puis à la fin elle était trop âgée, elle ne pouvait plus traduire. Maintenant j'ai une traductrice anglaise, Maria Jolas était américaine, et Barbara Ra était anglaise. Alors, elle me lisait. Je suivais sur le texte français et elle me lisait. Je faisais surtout attention au rythme. La même chose en allemand, mais je connais moins bien l'allemand. En anglais, je peux encore quelquefois suggérer un autre mot
à la place de celui-là. Mais moi, je suis absolument incapable de suggérer le mot qu'il faudrait. Mais je peux dire, non, c'est pas ça que j'ai voulu dire. Ce « il » ne s'applique pas là. Des choses comme ça. Et vous avez fait cette expérience en russe aussi ? Alors en russe, j'avais une traductrice russe. Il y en a 3 seulement qui ont été traduits en russe. Alors elle venait à Paris, Zonina. Elle me le lisait. Et cette fois-ci, ils veulent traduire l'usage de la parole. Alors ils m'ont envoyé le texte. Alors là, je regarde le texte. Quand je commence à travailler quelque chose, je deviens tout de suite un peu maniaque. Quand on me le lit, je laisse passer souvent des choses. Mais là, j'ai mes 2 dictionnaires, franco-russe et russo-français. Et là, je cherche quelquefois un autre mot, parce que ce n'est pas exactement le mot qu'il fallait. Ça demande pas mal de travail. Ça me fatigue horriblement. À quel rythme vous travaillez ? Plusieurs pages par jour ? Ça fait 4 pages russes, ça fait 8 pages. En français, ça fait pas mal. Il leur faut avant la fin de juin. Ils l'envoient au dernier moment. C'est fatigant, mais ce n'est pas une corvée. C'est un plaisir quand même de le faire. C'est amusant. Ça dit, c'est une distraction. C'est quand même fatigant. C'est une distraction. C'est à côté du travail de l'autre. C'est incomparable. On a le texte tout prêt, on regarde si le mot convient. Aucun rapport avec ce saut dans le vide. Au départ, il n'y a rien. Absolument rien. À peine une ébauche de quelque chose, d'un mouvement, et puis il faut construire tout ça. Et au fur et à mesure qu'elles avancent, les choses, vous les donnez à taper ou vous les tapez vous-même ? On me les tape à la maison. J'ai une de mes filles qui me les tape, elle a cette gentillesse, elle tape ça absolument sans regarder, à toute allure, parce que si elle le lisait, ce serait épouvantable pour moi. Mais elle le tape très vite, alors je lui donne quelques pages à taper, ça avance si lentement que ce n'est pas très accablant comme travail. Quand elle vient me voir, elle m'en tape 2-3 pages. Et lorsque vous travaillez sur cette traduction, vous avez l'impression que vous ne touchez plus du tout au texte. Vous n'avez pas l'impression que vous pouvez, en quelque sorte, retravailler dans la langue. Non, du tout. Le texte, c'est comme si c'était écrit par quelqu'un d'autre. Ah, oui. Absolument. Au fond, c'est le seul moment où vous aimez vous relire. Sinon, vous n'aimeriez pas. Oh, je ne peux pas dire que je me relis, parce qu'à ce moment-là, je suis tellement occupée par la traduction et le mot anglais ou allemand qui doit venir ou qui ne vient pas là, par cette coïncidence entre ces 2 mots, que je suis incapable de juger la qualité de mon texte. Absolument incapable. Je suis là uniquement dans la coexistence de ces 2 expressions, de ces phrases. Il faut que la phrase ait le même rythme, si c'est possible. Oui, et je crois que la langue qui convient le mieux à mes livres, c'est l'anglais, qui est plus léger, où les phrases peuvent être plus légèrement suspendues, et que ça devient plus lourd en allemand. Il me semble, en russe même, encore plus lourd. Vraiment, encore quelquefois, il me semble. Oui, c'est très difficile de garder ce rythme. Oui, en allemand, c'est ce problème d'une aussi, syntaxe. Plus, il y a une plus syntaxe rigide et plus... Oui, mais très difficile de suspendre comme ça. Alors que pour l'anglais, c'est très proche quand même. Et il n'y a pas de difficulté particulière au moment où on atteint ces blocs de langue, ces lieux communs? Chaque langue. Il faut chercher. Le traducteur les connaît mieux que moi. Essaye d'en trouver. Quelquefois, ce n'est pas les mêmes, mais il faut trouver un équivalent. Et ça, vous l'acceptez ? Je suis bien obligée. Ce ne serait pas moi qui serais capable de lui en suggérer d'autres. Parce qu'il connaît quand même mieux sa langue que moi. Oui, c'est comme dans la mise en scène, déjà. Il faut accepter un certain déplacement. Exactement. Vous avez dit que c'était un plaisir et que c'était une distraction par rapport à la tâche d'écrire. Et c'est un bonheur tout de même d'écrire ou non ? Voilà un mot, justement. Voilà, vous avez trouvé un exemple merveilleux d'un cas auquel le mot bonheur ne peut pas s'appliquer. Parce que quand je suis dedans, alors je suis entièrement prise par ce que je suis en train de faire. Je ne peux pas me mettre à l'écart, c'est du bonheur, quoi que ce soit. Généralement, c'est de l'angoisse. Quand j'ai terminé, je me dis presque toujours que ce n'est pas ça. Ça, c'est un certain tempérament, une attitude que j'ai tendance à voir, c'est pas ça qu'il fallait faire, etc. Et puis alors, au moment où je crois que ça a marché à peu près, j'ai une très rapide impression de satisfaction, mais qui est tout de suite remplacée par le fait de la suite, de ce qu'il faudra faire après. Peut-être que ce n'est pas un bonheur d'être en train d'écrire, mais comme disait Mouzil, écrire, ce n'est pas une activité, c'est un état. C'est exactement vrai. C'est un état, et chez moi, c'est plutôt un état anxieux, comme beaucoup de mes états. C'est Baudelaire qui avait dit
travaillons donc, puisque travailler est moins ennuyeux que s'amuser. Je pense tout à fait comme vous. N'est-ce pas ? Ce qui veut dire que, tout de même, vous n'avez pas forcément envie de sortir de cet état d'écrivain pour être ce qu'ont été tant d'écrivains dans ce siècle, des intellectuels qui interviennent sur la place publique. Ça, c'est vraiment quelque chose que vous n'aimez pas. Non, pas du tout. Je n'ai pas d'abord l'impression que les intellectuels comprennent mieux les situations. Nous avons des exemples innombrables de très grands intellectuels, de grands savants et de grands écrivains très réputés qui se sont gourés au maximum sur toutes les questions. Je ne crois pas qu'ils soient si bien placés pour pouvoir juger de certaines questions. Il faut peut-être connaître assez bien l'économie politique, la situation, etc. Et encore là, c'est très difficile. Alors quand ils donnent leur avis sur n'importe quoi, je crois que ce n'est pas pertinent. Mais enfin, on peut signer, par exemple, pour défendre la vie de quelqu'un qu'on va condamner à mort, ou quelque chose comme ça, si ça peut avoir un effet. Alors là, peut-être, c'est bien de signer, mais autrement. C'est finalement l'engagement politique qui nuit le plus et qui fait commettre le plus d'erreurs, à votre avis, ou non ? Je crois que ce sont des choses tout à fait séparées. Qu'on peut s'engager politiquement, signer contre la guerre d'Algérie, écrire tout à fait autre chose. On imagine parfaitement Mallarmé intervenant dans une question de politique, pourquoi pas ? C'est un citoyen et un homme qui peut avoir des idées sur la politique, mais ça n'a rien à voir avec l'œuvre d'un poète. Oui, c'est ailleurs, ou d'un savant. Ce n'est pas parce que Joliot-Curie s'est occupé de la radioactivité qu'il pouvait juger ce qui se passait en URSS. Est-ce que ça veut dire tout de même que la littérature, oui, appelons-la globalement comme ça, n'a aucun rôle à jouer dans une société ? Je crois, et là je suis d'accord tout à fait avec ce que vous écrivez dans votre livre, c'est que c'est une énorme privation pour ceux qui aiment lire de ne pas lire. On enlèverait la possibilité de lire, je crois que ce serait absolument me couper de la vie, de ce qui pour moi a grandi ma vie, ce qui me permet de survivre, si je puis dire. Alors je crois que c'est énorme, évidemment. À chaque grand écrivain, quand on lit vos livres, c'est un pan de l'existence qui a été découvert. Absolument. Donc il a agrandi. Exactement. Je crois que quand le monde de Kafka, où nous vivions plus ou moins sans nous en apercevoir, est venu s'ajouter à notre monde, j'ai l'impression que chaque fois, un monde nouveau s'ajoute au nôtre. Quand le monde de Balzac, le monde de Dostoïevski, le monde de Kafka, etc., je pourrais en citer tellement, est venu s'ajouter au monde où nous vivons. Et d'une manière qui n'est pas, comment dire, qui n'est pas autoritaire et dogmatique, le monde de la jalousie s'est ajouté à cause de Proust, mais on peut encore écrire sur la jalousie. Tout à fait. C'est insondable. Mais il a ouvert quelque chose sur la jalousie, mais on peut écrire, je crois, indéfiniment sur quelque chose qu'on appelle la jalousie. Alors, quand on dit aujourd'hui que la littérature est menacée parce qu'il y a tant de sujets de distraction, la télévision, etc., est-ce que ça vous paraît juste ? Moi, ça ne me paraît pas juste du tout. D'abord, j'ai l'impression qu'autrefois, il n'y avait pas la télévision. Il y avait tout un public qui, tout simplement, ne lisait pas et ne regardait rien. Maintenant, il y a une partie du public qui, autrefois, n'aurait rien lu, qui maintenant, tout de même, regarde la télévision. Le langage qu'on parle s'est amélioré. L'accent très vulgaire a disparu, parce qu'on entend, ils entendent la radio et la télévision, et les quantités d'images du monde, en dehors des films même, apparaissent qu'ils n'auraient jamais vues. Alors un enfant voit maintenant le désert de l'Inde, ou des choses étonnantes, des reportages extraordinaires qu'ils n'auraient pas vus. Maintenant, je n'ai pas commencé la critique des films de la télévision, mais moi, je l'ouvre rarement parce que chaque fois, ce sont des coups de poing, des coups de revolver, etc. Et je pense que ça a une très mauvaise influence, probablement, sur les enfants qui le regardent. Alors, enfin, ça n'apporte rien, ce genre de film-là. Peut-être la littérature, donc la lecture, imposerait tout de suite une distance que ne propose pas l'image, qui est plus brutale. Exactement, certainement. On a plus l'impression de vivre dedans et presque de le faire soi-même. Oui, le rôle des livres, ce serait de mettre à distance cette expérience. Ce serait comme un monde qui n'est pas le mien,
qui est tout de même assez étranger et distant du mien, mais dont se révèle l'existence. Et je sais qu'il existe quelque part aussi. Donc d'un côté, on dit parfois que la littérature donc, est menacée par... Et puis d'un autre côté, on assiste à une espèce de surévaluation, une espèce, de, comme dit Milan Kundera, une graphomanie généralisée. Tout le monde veut écrire. Est-ce qu'il n'y a pas aussi... Est-ce que ce n'était pas toujours comme ça? Vous pensez qu'il pouvait, il y avait beaucoup moins de gens qui pouvaient écrire. Maintenant, les gens ont appris à lire et à écrire. Il y avait énormément d'illettrés qui ne savaient ni lire ni écrire. Est-ce qu'il n'y a pas toujours eu des lettres, des journaux? On écrivait beaucoup plus de lettres autrefois. Maintenant, nous téléphonons. On s'écrivait des lettres et qui étaient rudement bien tournées. Comment écrivais-je? J'avais lu une lettre de la nièce de Pascal. Je crois qu'elle avait 14 ans quand elle l'a écrite. Qui est admirablement rédigé. Il n'est pas pensable qu'à l'heure actuelle, on écrive de cette manière-là, dans ce admirable français, dans ce style. Alors, je crois que cette graphomanie, elle s'est peut-être étendue, elle n'est pas dangereuse. Elle peut donner peut-être des œuvres de valeur aussi. Tout de même, ce qui est assez frappant, c'est que la littérature s'enferme dans des genres assez limité, le roman au sens le plus conventionnel du terme devient quand même le genre dominant. Est-ce que c'est pas un peu regrettable? Et comment l'éviter? Comment l'éviter? Comment empêcher les gens? Il faut une certaine sensibilité, comme pour la peinture et pour la musique, pour accéder à une certaine forme de littérature. Alors, comment éviter que des quantités de formes faciles, qu'on lit rapidement, s'insèrent, viennent s'ajouter? Je ne vois pas très bien comment on pourrait l'éviter, ça. Ce serait peut-être le rôle de la critique, un peu. La critique elle-même, très souvent... Franchement, elle est souvent très décevante. D'abord, pour cette raison qu'ils ont beaucoup de travail, qu'il faut qu'ils rédigent un article, qu'il est très difficile de juger un contemporain. Et de se rendre compte véritablement de la valeur d'un livre, d'une œuvre. On se trompe à un tel degré. Et combien on nous a proposé d'œuvres qui plus tard se sont révélées sans vie, qui sont mortes et qu'on a portées au nu comme des œuvres admirables. C'est une erreur tout à fait naturelle d'ailleurs. On ne peut tout de même pas se passer de la critique, c'est une fonction importante. Il est impossible de s'en passer. Parce qu'on ne saurait pas ce qui est apparu et qu'on vous signale aussi bien qu'on le peut ce qu'il faut lire. Mais là, il y a des erreurs innombrables et c'est au lecteur, au fond, de choisir. Et là, que le lecteur ne puisse pas avoir assez de culture littéraire ou de sensibilité littéraire pour choisir dans ce qu'on lui propose, ce qu'il y a de mieux, ça me paraît naturel. Est-ce que des jeunes auteurs ou des gens vous envoient des manuscrits en vous demandant des manuscrits? Jamais, parce que il y a très longtemps, une fois pour toutes, j'ai dit que je suis incapable de lire un manuscrit et de juger. Je crois que un écrivain a du mal, souvent se trompe sur les autres. Quelquefois, il peut être en même temps un bon critique et quelquefois non. Ça dépend tout à fait. Ce sont deux qualités séparées pour moi. Être un bon critique, savoir exprimer quelque chose à propos d'un livre, ce qui est déjà très difficile, et être enfoncé en même temps et obsédé par un certain univers. J'aurais pu laisser passer, certainement, ou même faire refuser des livres qui, après, se sont révélés comme des œuvres remarquables, et qui, moi, seraient passés à côté parce que ça n'aurait pas répondu à ce qui m'intéressait à ce moment-là. Oui, je crois qu'il y a une partialité inévitable, constitutive. Inévitable. Parce que si on vous fait sortir trop de votre domaine, alors on se rebiffe. Lorsque Rilke avait reçu la visite du jeune poète, il lui écrivait que il devait écrire s'il y sentait une nécessité totale et que sinon ce n'était pas la peine d'écrire. Est-ce que c'était un conseil qu'il rejette, qui est difficile à suivre, ou est-ce qu'il vous paraît un... Jamais je ne dirais ça ne vaut pas la peine. J'ai une image assez pessimiste de la vie, et je me dis que dans cette courte vie, si ça l'intéresse, comment savoir si ça en vaut la peine ou non? Ça peut très bien être très mauvais et devenir merveilleux, excellent, et que je crois que on ne doit jamais dire à quelqu'un
si c'est nécessaire. En ce moment, il le fait parce qu'il a envie de devenir un écrivain, ce qui est un très mauvais point de départ, et qui donne toutes les chances que ça ratera. Eh bien, ça ratera, ça l'aura occupé quelque temps, si ça n'a pas détourné d'un travail qui aurait pu être plus intéressant pour lui, si c'est ce qui, ainsi qu'il occupe ses loisirs, pourquoi pas? Pourquoi? Qu'est-ce que ça peut faire? Ça ne sera pas publié, probablement, donc ça ne pourra nuire à personne. Ça l'aura occupé, et on ne sait jamais si, à force de faire des choses comme ça, est-ce que Flaubert n'avait pas commencé, je crois, par des choses très faibles. Et beaucoup d'écrivains ont commencé par écrire des livres au Balzac. Et on, je crois, a écrit des choses qui étaient très mauvaises. Mais Rilke ne lui opposait pas la médiocrité de ses vers, mais simplement qu'il en ait un besoin vital d'écrire. Est-ce que ça, c'était juste? Que ce soit un besoin vital? Est-ce que ça vous paraît? Je ne sais pas. Moi, pour moi, il faut que ce soit un besoin vital, parce que j'ai tellement de mal, et ça m'angoisse tellement, que si ce n'était pas comme si ma vie en dépendait, je préférais vraiment alors faire autre chose. Pour moi, c'est vraiment mon existence même. Depuis que j'ai commencé à écrire, j'ai l'impression d'être à côté de quelque chose. Ce n'est pas du tout ce que je voulais faire quand j'étais au barreau, par exemple, quand je faisais mes examens à la faculté. Ça m'est difficile de juger. Comment savoir s'il pense que pour lui c'est une nécessité? Moi, je ne me permets jamais d'intervenir. J'ai trop peur de toucher à quelque chose de mystérieux et dont on ne sait pas comment ça tournera. Mais ce qui m'importe aussi, c'est que vous ayez dit que pour vous, c'était comme si votre vie en dépendait. Pour moi, véritablement, si maintenant je devais m'arrêter d'écrire, eh bien, il me semble que je m'arrêterais de vivre aussi. Ça me serait vraiment très difficile. À voix nue, entretien d'hier et d'aujourd'hui. Nathalie Sarraute s'entretenait avec Daniel Salnave. Réalisation, Daniel Finot.